Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Maëlys. Bonjour Adrien, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième journée de Ligue 1 opposant Lille à Montpellier. Des débuts de saison, des deux équipes pas trop mal, ils se retrouvent pour l'instant au milieu de tableau ces deux équipes. Ouais, avec le même nombre de points, 4 points chacun pour les deux équipes. Alors est-ce qu'il y en a une qui va se détacher ou est-ce qu'ils vont rester aux alentours de ce milieu de tableau, toujours à 4 points? Non, ça sera minimum 5 points déjà. Mais on va voir comment ça va se passer entre les deux équipes. L'une qui est très efficace à l'extérieur, le Montpellier HSC, pardon, et l'une qui est très efficace à domicile, Lille, invaincue ici au stade Pierre-Mauroy depuis maintenant un an. Ça va être compliqué de voir les deux équipes se détacher. Et on va voir ce que ça va donner entre cette grosse contre-attaque de Montpellier et un jeu plus placé du côté de Lille. Oui, les Dogs sont impériales ici au stade Pierre-Mauroy qui est très bien rempli avec des couleurs rouges. La tribune des DVE est quasiment pleine avec les écharpes qui tournent autour de la tête des supporters avec plein de rouge dans le stade. Les joueurs se sont serrés la main entre les deux équipes. Donc on peut vous parler des compositions des équipes en commençant par Lille. On a Lucas Chevalier dans les buts avec un 4-2-3-1 pour le dispositif lillois. Gabriel Gudmundsson sur le côté gauche, Alexandro et Lenny Yoro dans l'axe de cette défense. Thiago Santos, la nouvelle recrue à droite. Le milieu de terrain, c'est classique, c'est André et Angel Gomez. Et le quatuor d'attaque, ça sera Ivan Cavalero. Sur le côté gauche, Cabella en numéro 10, Youssouf Yazici à droite et Jonathan David évidemment en pointe. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au match qu'on a vu cette semaine contre Rijeka, le match de barrage pour la Ligue Europa Conférence. Ils seront en Ligue Europa Conférence Lille l'année prochaine. Ça ne s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué aux prolongations avec un but de Jonathan David à la 109e minute. Mais ils l'ont fait, ça leur permet d'avoir un groupe. Alors on va le rappeler avec le Slovan Bratislava, Ljubljana et Klaksvik. Alors ça peut passer en tout cas pour Lille, pour la Ligue Europa Conférence. Et c'est un gros soulagement aussi pour eux, mais ça leur fait 3 matchs en seulement une semaine. Alors maintenant on va peut-être parler un peu de la compo de Montpellier avec au but Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain. En défense on aura Omerazic, Kiki Kouyaté au centre et sur les côtés de cette défense Sako et Isaga Sala. On aura au milieu de terrain Wabi Kazri et Chotard. On aura ensuite Savanier, Leroy et Altamari. Et en pointe, Adams, Accor Adams, qui est l'un des plus bénéfiques à Montpellier pour ce début de saison avec Altamari. 3 buts chacun sur les 3 premiers matchs de cette saison de Ligue 1. Et c'est le champion du monde du 800 mètres, l'ancien champion du monde du 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss, qui va donner ce coup d'envoi de Lille-Montpellier. Il est actuellement au centre du terrain et il fait des petits applaudissements vers la DVE. On va vous rappeler les zones pour ce commentaire en lieu de description, ce qui va vous permettre de vous situer lors de ce match. On a 4 zones A, B, C et D. Donc nous sommes situés en tribune sud. On a un but à notre droite et un but à notre gauche. Donc en bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et on redescend en bas à droite, la zone D. Le LOSC, dans ses couleurs traditionnelles, rouge avec un short et des chaussettes bleu marine, est situé à gauche dans les zones A et B. Et Montpellier, en blanc avec des grosses rayures orange, est situé dans les zones C et D. Il attaquera donc dans les zones A et B. Lucas Chevalier est en bleu et Benjamin Lecomte en jaune fluo. Et il me semble que c'est Rémi Cabella qui va donner ce coup d'envoi du côté du LOSC. C'est fait, il a fait sa petite passe du pied droit dans le rond central. On est maintenant avec le ballon en zone B. Ça arrive sur Santos, toujours en zone A. On repasse en zone B avec Alexandro qui va passer cette ligne de terrain avec une passe vers Gudmundsson. Et c'est repassé par Alexandro, toujours en zone B, proche de la ligne du milieu de terrain. L'arbitre, c'est Benoît Millot, l'expérimenté Benoît Millot, qui sera tout en noir pour cette rencontre. Rémi Cabella maintenant en zone D. Il a obtenu la touche face à Kiki Kouyaté. Et ça va être Thiago Santos qui a le ballon dans les mains maintenant pour effectuer cette touche. Au milieu de cette zone D, il va essayer de trouver un partenaire du mouvement. C'est Benjamin André qui est trouvé et qui subit une poussette dans le dos. Et ça va être sifflé. Très très bon coup franc d'entrée de jeu pour les Lillois. Juste à côté de la surface de réparation dans la zone D. Ouais, sur la droite de cette surface de réparation, sur la gauche du gardien. Allez, on va dire même pas un mètre de la surface de réparation. C'était une petite poussette. Il me semble que c'était Omerazic qui était venu faire cette petite poussette dans le dos de Benjamin André.
Et c'est Rémi Cabella qui pose le ballon à terre. On a aussi Youssouf Yazici à droite du ballon, le gaucher. Ça serait plutôt pour un coup franc rentrant ou un coup franc sortant pour Rémi Cabella. En tout cas, les deux sont en train de se parler. La main sur la hanche pour Rémi Cabella. Et c'est lui qui va reculer en premier. Cabella ou Youssouf Yazici pour effectuer ce coup franc. Les deux joueurs lèvent la main. Et c'est Youssouf Yazici qui essaie rentrant. Et c'est but ! Youssouf Yazici, coup franc direct. Personne n'a dévié ce ballon. Et Benjamin Lecomte a été surpris. Il n'a pas bougé sur sa ligne. Magnifique coup franc poteau rentrant pour Youssouf Yazici qui ouvre directement la marque pour les Dogs qui sont très très bien partis dans ce match. Ah oui, c'était c'est passé, ça a traversé toute la surface de réparation, ça a touché ce but et c'est rentré alors qu'on voyait Benjamin Lecomte qui était plus concentré à savoir si un joueur allait couper cette balle. Il était regardé en face de lui, il n'a pas vu que le ballon était passé derrière lui. Une trajectoire très surprenante sur ce coup franc de Yazici, mais ça fait 1-0 pour le LOSC alors que le match vient de débuter. Eh oui. Ils ne pouvaient pas mieux commencer chez eux au stade Pierre Mauroy. Et ça veut faire extrêmement du bien à Youssouf Yazici qui n'était pas dans les plans de Fonseca à la base. Il était sur un départ et il est aujourd'hui titulaire et permet au Dog d'entrer magnifiquement dans ce match. 1-0 et c'est le Turc qui ouvre la marque. Benjamin Lecomte ne pouvait rien faire sur ce magnifique coup franc. Ouais, il n'était même pas titulaire hein, face à Rijeka. Il le met titulaire ce week-end et il le remercie très bien. Et c'est reparti avec Montpellier maintenant. Et c'est Benjamin Lecomte qui reprend cette balle dans sa surface de réparation. Et ça va directement sur la tête de Benjamin André qui remet sur le côté avec, il me semble que c'est Cavaliero qui a la balle là-bas dans la zone C. Et ça va repasser pour entrer dans la surface de réparation avec Jonathan David. Jonathan David tout seul, pied droit. Et c'est capté par Benjamin André avec les deux mains. C'était Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte, pardon. Trop de Benjamin sur ce terrain. Oui, Jonathan David qui s'était mis sur son pied droit. Il a frappé. Ça, c'était pas assez fort, pas assez puissant pour tromper Benjamin Lecomte. Oui, il y avait un magnifique petit pont de David dans cette surface pour se mettre sur son pied droit. Mais ça repart directement de l'autre côté. Et Lenny Hero qui a bien couvert dans la zone A. Mais ça retombe sur Wabi Kazri qui se bat bien pour récupérer la balle. Mais il va effectuer une faute sur Rémi Cabella dans la zone A proche de la ligne médiane. Wabi Kazri aussi qui n'était pas titulaire la semaine dernière contre Reims et qui retrouve donc le 11 de départ de Michel Derzakarian pour Montpellier. Et on est reparti avec Yoro dans la zone B. Dans zone A, pardon, on passe maintenant dans la zone B avec Alexandro. On se rapproche hein, de la ligne médiane et ce ballon va vite être passé justement de la ligne médiane avec Goodmanson qui perd le ballon. Il n'arrive pas à contrôler cette passe pourtant simple, on va dire. Elle n'était pas très forte de Yoro et les Montpelliérains qui essayent de repartir rapidement. Mais Alexandro dégage ce ballon en touche dans la zone B, proche de la ligne médiane. Et Goodmanson qui s'est mis au sol là sur son contrôle raté. Il s'est fait mal. Est-ce qu'il s'est peut-être tordu la cheville? Et est-ce qu'il a peut-être planté son pied dans la pelouse? En tout cas, il est resté au sol et on va appeler les soigneurs du côté du LOSC. Ça va nous permettre de parler des matchs de la semaine dernière de ces deux équipes. Deux grosses défaites hein, de ces deux équipes. Lille s'est inclinée au moustoir 4-1 face à Lorient, notamment avec des énormes largesses défensives des Lillois. Et Montpellier a perdu 3-1 à domicile face à la belle équipe de Reims. Ouais, on a vu Lille qui a eu du mal à Lorient et c'est encore Jonathan David hein, qui était venu mettre ce petit but. Ça fait toujours mieux que zéro. Pour les statistiques. Voilà, exactement. Donc Jonathan David qui a déjà mis deux buts hein, en une semaine. Est-ce qu'il va réussir encore à inscrire un nouveau but? On l'a vu hein, dans la surface de réparation il y a quelques secondes maintenant. Il était tout proche. Il n'y avait pas beaucoup de défense hein, du côté de Montpellier. Il était quasiment seul face au but. Il a voulu ajuster ce ballon et il n'a pas été assez puissant. Mais les Lillois qui sont dangereux. Et c'est reparti avec Sacco dans la zone B. Goodmanson s'est mis sur le côté du terrain, il essaye de sauter pour se tester, mais on n'a pas envoyé de joueur à l'échauffement côté Lillois, donc pour l'instant il n'y a rien de grave. Il attend toujours pour rentrer Goodmanson vu que le ballon est dans la zone B. Falaï Sacco envoie un long ballon vers Accor Adams, bien couvert par Lenny Hero qui met le ballon en touche proche du point de corner en zone B. Ouais, les Montpelliérains qui gagnent du terrain petit à petit, et c'est Sacco qui va faire cette touche en zone B, et c'est fait, il reprend directement le ballon et c'est ressorti par Benjamin André. Touche de Falaï Sacco en direction de Chotard. On est au milieu de terrain. On va retourner derrière sur Kiki Kouyaté, écarté en zone A. Sur Isiaga Silla pour trouver Accor Adams dans la zone A. Il est un peu esselé, mais il va trouver Wabi Kazri. Mais il y a une main qui est sifflée sur le contrôle d'Accor Adams, la nouvelle recrue montpelliéraine qui a déjà mis 3 buts.
Et c'est Santos qui va effectuer ce coup franc directement sur Alexandro dans la surface de réparation lilloise. Lucas Chevalier qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup de travail à faire dans cette surface lilloise. Le gardien qui est habillé tout en bleu. Et qui est impérial pour l'instant dans ce début de saison. Il a déjà gagné beaucoup de points pour le LOSC, notamment face à Nantes ou même face à Rijeka jeudi. Et c'est reparti avec Yazici sur le côté droit. Et c'est Rémi Cabella dans la surface de réparation. Oh, le centre, et ça arrive dans la surface de réparation. C'était sur, Gomez, il me semble. Il a tiré du pied droit. Un bel arrêt de Benjamin Lecomte. Et c'est reparti avec Rémi Cabella, toujours dans la zone entre la surface de réparation et la zone de touche. Et on revient en arrière pour les Lillois pour reposer le jeu. Eh oui, c'était Jonathan David qui a été trouvé au point de pénalty. Sa reprise du pied droit en une touche a été détournée magnifiquement par Benjamin Lecomte avec sa main droite très ferme qui a renvoyé le ballon. Et ça, c'est encore une nouvelle occasion pour Lille qui est vraiment bien dans le match. On pouvait les croire fatigués après cette prolongation face à Rijeka en Croatie pour le barrage. Mais pour l'instant, ils ont démarré la rencontre pied au plancher. Après un écart à la 7e minute. On va attendre. Peut-être que ça va fatiguer petit à petit. Kiki Koyaté avec le ballon pour Montpellier dans la zone D. On passe sur le côté avec Isiagassi là, toujours dans la zone D. Il est bien pressé par Yazici. Il y a un gros pressing lillois. Kiki Koyaté qui essaye de trouver ses milieux de terrain, mais c'est intercepté. La balle est interceptée par Benjamin André, toujours dans la zone D. Et toujours dans la partie des Montpellierains. On n'a pas vu beaucoup de jeux en zone A et en zone B pour l'instant. Et on est dans la zone C. C'est récupéré par Falai Sako qui est bien pris par Gudmundsson. Il va faire la faute, le Suédois, dans la zone C. Pour l'instant, donc, tout va bien pour Gudmundsson qui court de nouveau après sa petite frayeur il y a quelques minutes. Peut-être une petite torsion, mais rien de grave. Et on est reparti avec Montpellier. Et c'est le numéro 13 de Chotard qui a pour l'instant la balle, qui l'a passée à Omerazic, le Suisse, qui est maintenant au milieu de terrain. Et on va aller chercher là-bas, sur le côté, Savanier. TJ Savanier dans la zone B, qui se fait prendre par Gudmundsson. Gudmundsson qui met le ballon en touche dans cette zone B, tout proche du poteau de corner. Altamari qui va laisser la balle pour son latéral Falai Sako dans la zone B. Il va retrouver le Jordanien. Et il a une main, oui, il y a une main de Cavalero. Ça va donner un bon coup franc pour Montpellier. Il a quasiment un corner dans la zone B. Après donc cette passe sur la main de Cavalero. Coup franc, c'est déjà Tézi Salmanier qui s'est mis derrière le ballon. Cavalero le gêne pour placer son ballon. Ouais, l'arbitre qui vient pour que Cavalero parte. On a vu la main à la poche, hein. On a eu peur de lui mettre le carton directement. Cavalero qui commençait un petit peu à s'énerver. Mais c'est bon, il s'est écarté. Il est maintenant dans la surface de réparation. C'est le seul qui fait faire le mur à Lillois. Il y a Simon Pellierin dans la surface de réparation. Et c'est un coup franc donc pour TJ Savanier. Monsieur Miou va se présenter, va se mettre devant la surface. Il va siffler le pied droit de TJ Savanier. Il s'élance, s'est tiré vers le second poteau. Oh, il y a un petit cafouillage, mais c'est dégagé toujours dans cette surface. Et c'est dégagé par Youssouf Yazici dans la zone D pour Falai Sako qui se précipite pour récupérer le ballon. Qui est obligé de retrouver son gardien Benjamin Lecomte parce qu'il y a encore un bon pressing de Benjamin André. Benjamin Lecomte qui voulait aller chercher TJ Savanier. C'est intercepté encore par les Lillois et Gomez qui passe. Ouais, c'était à Benjamin André. Benjamin André qui est maintenant au sol. L'arbitre ne dit rien et c'est reparti de l'autre côté avec, il me semble que c'est Altamari là-bas dans la zone D, proche de la ligne de touche, et il se fait reprendre par Gudmundsson. TJ Savanier maintenant qui va aller chercher, toujours dans la zone D, qui va aller chercher de l'autre côté, c'est intercepté mais ça revient sur un Montpellier, hein. On est toujours dans la zone D et ça frappe de loin pour le numéro, et il me semble que c'est le numéro Chotard. 13, hein. Ouais, c'est Chotard qui a fait cette frappe de loin du pied droit. Oui, mais rien, c'est de dangereux. Oui, mais ça permet au Montpellier de se lancer. On va dépasser la 10e minute dans ce match. Et c'est la première occasion pour Montpellier qui doit se mettre dans ce match. Car ils sont vraiment bousculés par les Lillois pendant ces 10 premières minutes. Et c'est de nouveau le LOSC qui a la balle avec Alexandro sur Gudmundsson en zone C. Qui revient derrière pour Alexandro. On va passer sur une attaque placée du côté Lillois pour calmer un petit peu le jeu. Depuis quelques minutes, Lenny Yoro qui avance. Le très jeune défenseur lillois pour trouver maintenant Thiago Santos dans la zone A. Bien pressé par Bobby Kazri, il est obligé de repasser derrière. Et on voit Yazici pendant ce temps-là qui colle la ligne de touche dans la zone D pour écarter le plus possible le jeu. Et on est encore dans les zones A et B avec les défenseurs lillois qui enchaînent les passes. Et les Montpellierains en face 2 qui sont très bien placés. Si les Montpellierains, on voit bien les lignes.
et ça, ils ont réussi à dépasser une ligne, les Lillois, avec peut-être Benjamin André. Non, on va choisir si Benjamin André au centre, et non, ça sera intercepté par le défenseur montpelliérain, et on repasse maintenant en zone C, tout là-bas, avec, avec André. C'est Goodmundson. Ah, pardon, c'est Goodmundson. Goodmundson qui repasse donc sur Alexandro, Leniuro, les défenseurs lillois sont quasiment dans la partie de Montpellier. La très bonne passe de Thiago Santos vers Rémi Cabella dans la zone D. On va trouver Yazice donc proche de la ligne de touche. Ça joue à 3 avec Thiago Santos maintenant qui va venir vers plein axe à 20 mètres. Il ne peut pas tirer, il est obligé de revenir derrière sur Angel Gomez. Youssouf Yazice pour décaler André dans la zone D. Et on va repartir sur Alexandro qui est dans le côté de Montpellier. Angel Gomez dans le rond central pour trouver Cavalero. Cavalero, Alexandro. Il y a Goodmundson qui demande le ballon sur la gauche dans la zone C. Est-ce qu'il va être servi? Non, on repasse encore derrière avec Alexandro. Ils sont très hauts, les défenseurs lillois. Ouais. Ils sont au-delà de la ligne médiane dans les zones C et D. Alexandro qui reprend ce ballon. Et on repasse même par le gardien, Lucas Chevalier. Ça permet à tout le bloc de Montpellier de remonter presque sur la ligne médiane. On a perdu 50 mètres du côté lillois et on va repartir de derrière. De nouveau Lucas Chevalier, le numéro 30 lillois formé au club. Très très jeune gardien qui assure pour l'instant magnifiquement sa mission. Attention à cette passe. Non, c'est de nouveau pour Lucas Chevalier. Il va être pressé par Altamari. Mais on relance court, c'est un des principes de jeu de Fonseca, relancer court, éviter de balancer vers l'avant. Et malheureusement, ça a coûté beaucoup de points au LOSC cette saison, c'est relance court. Et là, c'est les Montpelliérains qui ont décidé de presser. Et ce qu'ils vont récupérer ce ballon qui est pour l'instant en l'air dans la zone A. Et non, c'est perdu au centre du terrain. Et c'est une faute, non, pas faute. Il y a eu un petit contact sur Jonathan David. Et la faute n'a pas été sifflée. On repasse avec Alexandro dans la zone B. Angel Gomez pour essayer de porter le ballon vers l'avant. C'est David qui est trouvé. Sa passe est ratée vers la zone C. Et Cavalero, ils ne se sont pas compris, les deux attaquants. Alors c'est une nouvelle balle pour Montpellier avec Altamari qui va repiquer vers l'axe pour retourner derrière sur Kiki Kouyaté. Issa Yassila, le numéro 3 en zone D, qui va essayer de trouver un ballon vers l'avant. C'est Wahbi Khazri qui est trouvé. Il va essayer de se retourner, Wahbi Khazri. Mais c'est bien défendu par Thiago Santos qui a failli se faire prendre dans la zone A. Et c'est Silla qui va mettre le ballon en touche. Thiago Santos, il met par terre, mais il se relève. Oui, il était par terre. Il se plaignait d'un petit contact à la cheville, mais ça n'a pas été sifflé. Le ballon en touche, c'est lui-même qui va effectuer cette touche proche de la ligne médiane, à 5 mètres de la ligne médiane. Les Montpelliérains qui sont restés très haut. Et c'est la part en profondeur pour Jonathan David. Ça n'a pas été servi. Ça fait beaucoup d'appels en profondeur. La touche est longue à être effectuée. Et c'est bon, il va trouver Cabella au centre du terrain. On passe maintenant dans la zone C, tout là-bas, avec Goodmundson qui centre. Et ça passe à côté du but. Et il y avait un hors-jeu, il me semble. Non, c'est, non, c'est corner, pardon. C'est une frappe de Goodmundson contrée qui a failli tromper Benjamin Lecomte. La balle est passée pas loin du poteau à sa gauche. Et ça donne un corner donc pour Youssouf Yazice et les Lillois. Rémi Cabella va se mettre aussi à côté du point de corner. On sait qu'ils aiment bien faire ça, les Lillois, être à deux au point de corner sans forcément le jouer à deux, ce corner. Et c'est finalement Cabella qui va le tirer dans la zone D. Ouais, les Montpelliérains qui ne sont pas très sereins en défense. Cabella qui lève le bras gauche, centre du pied droit. Et ça ressort, c'est enlevé pardon, de la surface de réparation par les Montpelliérains. Et on repart de l'autre côté avec Gomez. Gomez en zone C. Alexandro est resté aux avant-postes pour essayer d'avoir un ballon sur sa tête. Mais non, on va repasser derrière sur Lucas Chevalier qui a eu à 30 mètres de ses buts. Thiago Santos en zone A. De nouveau Thiago Santos qui va changer le jeu vers Goodmundson en zone B. Le contrôle de la poitrine est réussi. C'est pour Alexandro. On repart sur une attaque placée du côté du LOSC. En zone A, Thiago Santos pour Leniuro. Leniuro qui est maintenant dans le rond central. Il s'est arrêté. On a vu un appel de Rémi Cabella qui n'a pas été servi. Alexandro qui sert Goodmundson sur le côté gauche dans la zone C, proche de la ligne de touche. Il repasse au centre avec Gomez. Et on repasse avec Santos, toujours dans la zone D maintenant, avec Rémi Cabella qui a été servi en profondeur. Ça a été, il y a eu un tacle du numéro 4, Kiki Kouyaté, le Montpelliérain, qui récupère le ballon. Et Benjamin Lecomte qui va dégager ce ballon. Et faute sur Wahbi Khazri.
Tout mélangé. Oui, c'est Thiago Santos qui est venu faire une poussette dans le dos de Wahbi Khazri pendant que le ballon était en l'air dans sa direction. Et Khazri qui joue bien le jeu. Et la faute a été sifflée en zone D, juste à côté de Paulo Fonseca, qui est debout dans sa zone technique, tout comme Michel Derzakarian. Et on repart derrière pour Montpellier avec Omer Hadjic pour maintenant Kiki Kouyaté qui repasse sur le compte. Ouais, les deux entraîneurs qui sont même en dehors de leur zone technique sur le bord de la ligne de touche. Benjamin Lecomte qui essaie de dégager une nouvelle fois long pour trouver un coéquipier. Et cette fois, c'est TJ Savanier qui va contrôler ce ballon dans la zone D. Toujours pressé par Rémi Cabella. Et là, il a eu une petite faute de Rémi Cabella. Il a balayé un petit peu TJ Savanier. TJ Savanier qui râle un peu. Oui, qui râle, mais pas sur l'arbitre, plutôt sur ses coéquipiers. Mmh. Qui trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement dans cette équipe montpelliéraine. Et il me semble que Michel Derzakarian est en train de dire la même chose parce qu'il est aussi un petit peu en train de s'énerver sur ses joueurs. Oui, on n'a pas beaucoup trouvé pour l'instant. Accor Adams notamment et Altamari, les deux hommes forts de ce début de saison montpelliérain. Et là, on va essayer de trouver Accor Adams, mais non, c'est bien couvert par Alexandro qui nous fait la chandelle habituelle du Brésilien dans la zone D en touche pour donc Falai Sako. Essayer de mettre le ballon vers l'avant. On est en zone B. Falai Sako qui va essayer de trouver Altamari. Il va s'y trouver avec TJ Savanier à 30 mètres pour aller vers la zone A. C'est Isiaga Silla qui est trouvé. On a Wahbi Khazri qui est trouvé dos au jeu dans la surface, mais il est hors jeu. Wahbi Khazri est parti trop tôt et le ballon a été donné trop tard par Silla. C'est un hors jeu. Oui, il était bien hors jeu. Hein. Il a été très loin derrière la défense. Et donc ça va être un ballon qui revient pour Lucas Chevalier. Toujours pas en danger hein, dans ce match contre Montpellier. Alors qu'on ne peut pas en dire de même du côté de Benjamin Lecomte. Qui a déjà sauvé son équipe une fois avec sa magnifique parade sur la frappe de Jonathan David. Le ballon est perdu pour André dans la zone A avec Joris Sautard qui va essayer de trouver TJ Savanier en profondeur. Mais c'est encore couvert par Alexandro qui se bataille avec TJ Savanier qui va laisser le ballon sortir en 6 mètres. Ouais, c'était bien trouvé, c'était une belle passe hein, qui a été trouvée pour TJ Savanier. Un petit peu longue et ça n'a pas permis à Montpelliérain de contrôler, mais ça va un petit peu mieux en attaque en tout cas pour les Montpelliérains. Il n'y a pas eu encore de grosse attaque lilloise pour qu'on voit ce que ça donne en défense. Mais on est maintenant à la 18e minute, toujours 1-0 ici au stade Pierre Mauroy pour les Lillois. Et c'est d'ailleurs eux qui ont la balle avec Lucas Chevalier dans la surface de réparation qui va être pressé par Adams et qui va remettre au centre. Et on repasse sur le côté. Et là, il y a des passes, des chandelles qui se font. Mais c'est contrôlé finalement sur le côté par Santos. Santos qui perd finalement le ballon au profit des Montpelliérains. Avec Wahbi Khazri dans la zone A sur le côté de la surface de réparation. Qui voulait trouver à l'intérieur de la surface de réparation Altamari qui était un petit peu en retard sur le ballon. Mais ça ne s'est pas joué à beaucoup. Oui, c'était une bonne passe de Wahbi Khazri là. Aratsol vers le point de pénalty. Altamari avait fait l'appel. Mais il était trop court comme vous l'avez dit. Et c'est Alexandro qui a pu, non c'est Chevalier qui a pu capter ce ballon et plonger sur le ballon. Et là c'est ce même Chevalier qui envoie le ballon en touche dans la zone B. Il avait essayé de trouver Cavalero mais c'est trop long. Les dernières minutes, les dernières quelques minutes qui sont plutôt à l'avantage des Montpelliérains, en tout cas qu'on voit plus en début de match. Et là ils perdent le ballon, juste quand on se dit ça évidemment. En zone C, Jonathan David face aux Montpelliérains tout seul. Il est esselé maintenant, il s'est écarté, il est... sur le côté de cette surface de réparation, il n'a pas pu centrer, c'était Rémi Cabella qui était, ils étaient que deux hein, au centre au début, Rémi Cabella qui demandait le ballon, mais Jonathan David qui n'a pas pu lui remettre ce ballon, c'est un corner pour les Lillois dans la zone C, et c'est Yazice qui va le tirer. Il y a tous les enfants à côté de ce point de corner qui sont venus descendre pour s'approcher au plus près du Turc lors de ce corner. Les enfants de la tribune évidemment, Youssouf qui lève le bras, qui tire au premier poteau, c'est dévié par Benjamin André, ça reste dans la surface et c'est dégagé par un défenseur de Montpellier, de nouveau en corner pour Lillois dans la zone C. Benjamin André qui lui aussi s'explique avec ses coéquipiers et avec le numéro 8 montpelliérain Adams. Adams qui encourage lui ses coéquipiers et c'est reparti pour Juzice, deuxième chance, pied gauche et cette fois ça sera touché par personne. Ça arrivera dans les pieds de Gomez qui tente sa chance pied droit et ça passe largement à côté du but sur la gauche de Benjamin Lecomte. C'était bien tenté de la part du Portugais qui était tout seul sur le côté en zone D. Il a contrôlé, frappé mais c'est dévissé et c'est parti à la gauche de Benjamin Lecomte. Et là le ballon est déjà récupéré par les Lillois dans la zone B. Après ce long ballon de Lecomte vers Khazri,
Kazri qui a changé de côté, il est sur le côté droit maintenant. On a interverti les positions avec Altamari qui se retrouve à gauche. Alors qu'on repart avec Yoro pour les Lillois dans la zone A. Je demande à Santos de se rapprocher. Et il va finalement faire la passe à Goodmanson. Et c'est encore une fois une passe loupée pour les Lillois. Une touche pour dans la zone C pour les Montpelliérains. Et on va revenir avec la défense et Omar Azic. C'est déjà la deuxième passe facile, entre guillemets, ratée en quelques minutes par les Lillois. Tout à l'heure, c'était Chevalier. Cette fois, c'est Yoro qui a essayé de changer de jeu, mais c'est en touche. Et maintenant, c'est Lecomte qui va allonger vers Accor Adams. Mais c'est une tête de Yoro dans le rond central vers la zone C. Tête de Sacco vers la zone B sur Goodmanson qui tranquillement peut passer à Alexandro à une trentaine de mètres de ses buts pour maintenant Lenny Yoro. Accor Adams va commencer à presser tout comme Teji Savanier maintenant sur Alexandro. Alexandro qui est obligé d'allonger sur Cavallero, ah, qui a essayé de remettre sur David mais il n'était pas là, l'attaquant canadien. Et c'est donc un ballon rendu à Montpellier. On repart avec Kiki Goyate du côté de Montpellier qui lance Altamari devant, mais il y avait hors-jeu, le drapeau s'est levé. Et heureusement, parce que je ne sais pas ce qu'a fait Lucas Chevalier juste après, et il s'est perdu. Je pense qu'il a vu le drapeau se lever et il a attendu que l'arbitre siffle. Lucas Chevalier qui reprend ce ballon à 10 mètres de la ligne de la surface de réparation. On est maintenant en zone A. Dégagement du pied droit de Lucas Chevalier pour Yazice. Ils étaient deux. Il y avait aussi Rémi Cabella qui était venu à la réception de ce ballon. Et résultat, aucun des deux ne l'a eu. Montpellier reprend le ballon en zone D. Ils se sont un petit peu gênés, les deux Lillois. Et c'est maintenant Omar Azic qui a le ballon pour maintenant couillater dans la zone D. On va encore une fois allonger, mais il n'y a personne qui est allé, qui a fait l'appel. Ou attention à Yoro de ne pas se tromper là, parce que ça va venir rôde. Dégagement pas très loin de Alexandro. Et oui, c'est récupéré par les Montpelliérains. Accor Adams, dos au jeu, qui va décaler Savanier en zone A. Chotard qui va récupérer le ballon pour repasser sur son défenseur central. C'est maintenant Montpellier qui est très haut sur le terrain avec Kouyaté. Maintenant Silla en zone A, en une touche pour Wabi Kazri. Il n'est pas hors jeu cette fois. Wabi Kazri qui va centrer vers le second poteau. La tête d'Altamari qui est passée devant Goodmanson, mais c'est raté. Ça part en 6 mètres. Ouais, c'était une belle phase de jeu hein, de Montpellier qui commence à devenir de plus en plus dangereux dans ce match. Et c'est Lucas Chevalier qui a maintenant la balle dans sa surface de réparation qui la passe à Alexandro. C'est Alexandro qui va dégager ce ballon et qui va sûrement la repasser à Lucas Chevalier tout proche de son but dans sa surface de réparation, pressé par Adams qui passe au centre à Gomez. On est maintenant avec Yoro toujours dans la surface de réparation lilloise et on vient de sortir de cette surface de réparation avec Santos qui traverse la ligne médiane et il y a un petit contact avec un Montpelliérain et ça sera sifflé. C'est Kiki Koyate qui a fait cette faute sur Santos au niveau de la zone D proche de la ligne médiane. Ouais. Et on voit justement Paulo Fonseca qui est en train de discuter avec Yoro, de lui donner quelques conseils, consignes, parce qu'on l'avait un petit peu en danger sur cette dernière action. Oui, Yoro qui s'était un petit peu raté dans ses gestes défensifs, mais ça n'a pas été une grosse occasion de but pour Montpellier. Et là, on a vu une belle ressortie de balle de Lille, encore une fois du côté de Thiago Santos, qui a fait un déboulé sur son côté droit et qui a obtenu une faute. Et là, on a une touche pour Lille en zone A. C'est Michel Derzakarian qui va redonner le ballon à Thiago Santos. Alors que les DVE chantent à la gloire de Lucas Chevalier, l'enfant du coin, qui va bientôt avoir le ballon dans sa surface, du côté de la zone A, pour retrouver Alexandro, qui est pressé par Teji Savanier. Et on repart sur le côté, toujours dans la zone B maintenant. On va peut-être passer la ligne médiane du côté des Lillois. Et non, c'est intercepté par un Montpelliérain. Et il reprend directement le ballon. Goodmanson, toujours dans la zone B, qui traverse cette ligne médiane. Sacco qui essaie de reprendre ce ballon. Ça n'a pas marché. Goodmanson, toujours avec le ballon. Là, il a été attrapé à l'épaule par Sacco. Et il y aura une faute sifflée à l'encontre des Montpelliérains et pour les Lillois. Oui, on va revenir au début de l'accrochage entre Silla et Sacco et Goodmanson, donc proche de la ligne médiane. Et c'est une pause fraîcheur pour dans ce match. Benoît Millot envoie les deux équipes vers leur banc de touche à la 25e minute. Pause fraîcheur qui va être évidemment décomptée dans le temps additionnel. Ouais, il fait chaud, il fait 30 degrés hein, aujourd'hui à Lille et il fait très beau. Donc petite pause pour les joueurs pour qu'ils aillent boire un petit peu pour ne pas se déshydrater. Oui, on peut pas faire un petit point mercato pendant ce temps-là. Du côté lillois, beaucoup de départs et de titulaires qui sont partis, notamment le capitaine José Fonte qui est parti à Braga,
qui a donc laissé le brassard à Benjamin André. On a aussi Jonathan Bamba qui est parti au Celta Vigo, un titulaire sur le côté gauche. Lors du dernier jour, c'est Mohamed Bayo qui est parti en prêt du côté du Havre. Et on peut aussi faire un petit point sur les dernières confrontations entre les deux équipes. Alors le dernier match, c'était à Lille entre ces deux équipes. C'était la saison dernière, en avril. Et Lille s'était imposé 2-1. Et Lille s'est imposé sur les 4 dernières rencontres, les 4 des 5 dernières rencontres entre les deux équipes. Et la cinquième rencontre, c'était un nul. Alors Montpellier a du mal hein, face à cette équipe lilloise. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils vont réussir à trouver la brèche? Eh bien, on attend évidemment de voir ça. Les joueurs sont toujours en train de boire et les coachs en profitent pour donner leurs consignes. On voit Paolo Fonseca qui est en train de parler avec Jonathan David. Et Jonathan David aussi avec Benjamin André en train de s'expliquer. Oui, pour revenir sur les confrontations, c'est simple. Montpellier n'a pas gagné contre Lille depuis 2017. C'était une victoire 3-0 de Montpellier. Donc c'était il y a très très longtemps quand même. Et pour parler de David... Ouais, ça sera le seul attaquant du côté lillois. Le mercato s'est clôturé vendredi et on n'a pas eu de nouvel attaquant du côté du LOSC, ce qui a permis à Fonseca de pousser une grosse colère. Et puis en même temps, on va peut-être vous donner les scores des matchs en cours avec Metz et Reims qui ont tous les deux marqué. Il y a un partout sur la pelouse de Metz du côté du Havre. Le Havre qui affronte Lorient, aucun but pour l'instant, 0-0. Et le match évidemment Lille-Montpellier, toujours 1-0 pour Lille vu que le match n'a pas repris, il n'y a pas eu de but. Et plus tôt dans la journée, Toulouse a affronté Clermont à Toulouse sur sa pelouse et c'est un nul, 2 buts partout. Oui, Clermont qui a égalisé à la toute fin du temps additionnel. Toulouse qui a gagné 2-0 dans ce match et qui s'est fait reprendre par les Clermontois. Les Clermontois qui obtiennent leur premier point de la saison. Et ça va reprendre hein, du côté du stade Pierre Mauroy. Les joueurs qui rentrent de nouveau sur la pelouse. On rappelle qu'on était à un coup franc après une faute de Montpellier. On est dans la zone C à une dizaine de mètres de la ligne médiane. Et tout proche hein, de la touche, de la ligne de touche. Oui, pour l'instant, dans ces 25 premières minutes, on a une nette domination du LOSC au niveau possession et niveau occasion, ce qui mène donc à ce score logique de 1-0 pour Lille dans ces 30 premières minutes. Et du côté de Montpellier, sur le mercato, ils ont perdu quand même Eli Wahi qui est parti à Lens pour 35 millions et qui est pour l'instant très bien remplacé par Accor Adams. Yoro, le jeu a repris. On est avec Santos maintenant dans la zone A qui va aller chercher Yazice dans la zone D. Là-bas, Yazice qui contrôle le ballon dans cette zone D qui remet derrière sur Rémi Cabella. Rémi Cabella qui fait face à Kiki Koyate et qui n'a pas gagné son duel. Les Montpellier hein, qui reprennent le ballon. On est maintenant sur la ligne de touche dans la zone D. Wabi Kazri qui va aller chercher loin devant Altamari. Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Ça va être un duel face à Goodmundson et c'est Goodmundson qui s'est imposé de la tête. Le ballon est remis en zone B en touche pour les Montpellier. Touche pour Falaï Sako. Encore une fois dans cette zone B. TG Savanier se propose. Est-ce qu'il va être servi le capitaine? La touche qui met du temps à arriver. Non, ça sera pour Léo Leroy qui va débouler, qui va redonner à Sako. Il va centrer Sako vers le second poteau. Et c'est ça va être mis en corner par Santos. Non, le ballon était sorti lors du centre de Sako. Ça va donc être un renvoi pour Lucas Chevalier. Ouais, trop long ce centre. Et là, ça va être, on va repartir encore dans la surface lilloise avec Alexandro qui va faire la passe à Lucas Chevalier. On a l'habitude. Lucas Chevalier qui a le ballon qui dégage du pied droit loin devant pour Yazice. Et c'est finalement le Assidiasi là qui va reprendre le ballon. On est reparti avec Altamari du côté montpelliérain qui perd ce ballon sur cette passe compliquée à contrôler de Chotard. Les Lillois qui reprennent le ballon dans la zone C, dans la zone B. Pardon. Le pressing de Savanier qui oblige Alexandro à envoyer long vers le centre du terrain et c'est récupéré dans la zone A par Thiago Santos, Yazice, Doge pour André et on repart une nouvelle fois vers Alexandro qui va essayer de trouver un attaquant mais on est obligé de repartir sur Lenny Oro. Le bloc lillois remonte petit à petit vers la ligne médiane. Alexandro qui est obligé de repasser encore une fois par Lucas Chevalier. On n'arrive pas à trouver des attaquants donc on est obligé d'allonger du côté lillois. Et là, c'est une faute qui est sifflée par,
par Benoît Millot au centre du terrain, une faute sur André. Et après cette faute, on a vu Wabi Kazri qui a fait une frappe du pied droit, qui est passé juste sur la droite de Lucas Chevalier. Une frappe très puissante à 40 mètres du but. Et il en a déjà mis des buts comme ça de très très loin, on s'en rappelle. Alors que là, c'est Angel Gomez qui se tord de douleur au sol. Les soigneurs vont arriver sur lui. À l'entrée de la surface de réparation. Et c'était Yoro qui est allé le voir et qui a appelé les soigneurs. On n'a pas vu ce qui s'est passé hein, sur Angel Gomez. Un mauvais coup. Peut-être à la tête. Ouais, ce n'était pas une énorme faute. Bah, la faute n'avait pas été sifflée. C'était celle d'après sur André qui a été sifflée. Mais Gomez qui reste au sol pour l'instant. Et Lucas Chevalier et Yoro qui sont en train de discuter. Lenny Yoro qui prend des coups de signe auprès de Lucas Chevalier. Ils sont tous les deux presque aussi jeunes. Ouais, très très jeunes. Ce qui permet aussi une défense très très jeune qui donne des actions aux Montpellierains, des fois aux autres équipes. Ils font beaucoup d'erreurs, c'est très jeunes joueurs. Mais ça coûte quelques points pour l'instant à Montpellier, à Lille, pardon. Sachant qu'on sait qu'il y a Samuel Umtiti qui est arrivé cet été au LOSC, le champion du monde, qui va évidemment apporter toute son expérience. Il a joué quelques minutes, ses premières minutes face à Rijeka jeudi. À voir s'il va rentrer aujourd'hui. Et là, on va faire un coup franc pour les Lillois alors que Gomez sort du terrain, évidemment, vu que les soigneurs sont rentrés. Mais il est debout, il va re-rentrer juste après le Lillois. Lenny Yoro qui va effectuer ce coup franc dans zone, entre les zones A et B, qui passe derrière à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui est toujours un petit peu pressé hein, par Adams, qui ne le lâche pas. Et là, c'est TJ Savagnier qui va aller presser sur Alexandro. Les Lillois qui sont pressés. Alexandro dans le corner, quasiment qui va... c'était pas très loin hein, pour TJ Savagnier qui a mis le pied sur le ballon. Mais Alexandro qui a été solide, qui a repris ce ballon et qui essaye de passer par le côté avec Gudmundsson. On est toujours dans la zone B, proche de la ligne de touche. Et on est même sur la ligne de touche, puisque le ballon a été en touche. C'est touche pour les Lillois. Et Gomez revient sur le terrain. Touche pour Lille dans la zone B. De nouveau pour les défenseurs lillois. A noter que pendant le petit arrêt de jeu, il y a Wabi Kazri qui est venu prendre des consignes de son entraîneur, le Tunisien de Montpellier. Lenny Yoro avec Adams qui presse toujours hein, les défenseurs centraux. Alexandro qui va chercher dans le jeu. Benjamin André dans la zone B. Les Lillois qui sont pressés et qui n'arrivent pas à sortir hein, de ce pressing pour l'instant, avec Gomez qui perd la balle. Et voilà, c'était trop de pression pour Gomez qui a perdu la balle. Touche pour les Montpellierains dans la zone B. Toujours Sacco pour l'effectuer, mais cette fois-ci on va derrière avec le numéro 27. Et là c'est une récupération au milieu de terrain par les Lillois. Rémi Cabella qui va décaler Benjamin André. André qui trouve Youssouf Yazici à 30 mètres. Il va accélérer. Youssouf plein axe pour trouver un petit ballon sur Cavalero. Il est trop court. Il va donc être excentré Cavalero dans la zone D. On va ressortir sur Thiago Santos. Thiago Santos, le crochet qui est bien passé devant Wabi Kazri, qui va effectuer la faute. Wabi Kazri, on est presque au même endroit que tout à l'heure, un petit peu plus loin que le but de Yazici tout à l'heure, pour un coup franc du LOSC. Et Wabi Kazri qui est un petit peu râlé hein, sur ses coéquipiers, sur la touche précédente. On l'a vu faire le signe de la touche. Benjamin André qui va se relever. Non, parce que ça part d'une touche de Montpellier, oui, dans le camp lillois. Et au final, on se retrouve avec un coup franc très intéressant pour Lille dans le camp de Montpellier. Après, c'était une très grosse faute hein, aussi Wabi Kazri. Il a pourtant l'expérience, mais là, il a mis la jambe. Il fallait pas la mettre. Donc, coup franc pour les Lillois. Toujours Yazici et Cabella hein, qui sont en train de discuter, les mains sur les hanches. Il y a TJ Savani dans le mur, accompagné d'un autre de ses coéquipiers. Et là, on est la DV qui est en train de pousser sur ce coup franc. Rémi Cabella, le bras tendu, pied droit vers le centre. Oh, c'est touché. Oh, bah, c'était Cavalero, il était quasiment tout seul. Et c'est allé sur la droite du gardien. C'est passé à quelques mètres du but. Et c'était Alexandro, pardon, c'était pas Cavalero, qui a mis cette tête très peu puissante et trop loin de cage. Mais qui a réussi à choper ce ballon qui était beaucoup plus haut que tout le monde. C'est donc un renvoi pour Benjamin Lecomte, qui porte le ballon dans sa surface pour décaler à Omar Hadjic sur le côté droit. Silla, le long de la ligne de touche, il va trouver Altamari. Il a un petit peu d'espace dans la zone B. Altamari qui va décaler Wabi Kazri. Wabi Kazri qui a raté complètement sa passe vers Isiaga Silla dans la zone A. Et c'est récupéré par Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier
toujours dans sa surface de réparation, qui attend que tous ses coéquipiers se replacent. On voit très peu de mouvements dernièrement du côté des Lillois. C'est beaucoup, peut-être la fatigue aussi hein, qui commence à arriver. On est à la 36e minute maintenant. Lucas Chevalier qui dégage loin devant pour Rémi Cabella. Mais c'est Sako qui va récupérer ce ballon. Et il y avait Yazici hein, pour récupérer le ballon derrière. Mais il a encore fait un grand pont. Et Wahbi Khazri maintenant dans la zone A qui va trouver... Il va trouver Adams, mais Adams va obtenir une touche. Il était entouré de deux Lillois dans cette zone B, proche de la ligne médiane. Oui, Bigazri qui a bien joué de son physique là pour envoyer valser Thiago Santos. Et, ils obtiennent une touche et on repart donc derrière. On est déjà dans la zone C avec Sako qui repasse sur Omar Adjic. Le compte dans sa surface, pressé par David. Alors il va allonger vers le rond central. C'est Adams qui était venu décrocher pour avoir ce ballon. On est avec Chotard, Kouyaté dans la zone D pour trouver Chotard. Et on repart derrière sur le compte. Attaque placée pour Montpellier. En tout cas, il garde la balle pour l'instant. Montpellier, qu'on rappelle, est l'un et le deuxième meilleur club d'Europe efficace sur les contres. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à avoir de possibilité de contre. Et là, on va partir avec Wahbi Khazri. TJ Savanier maintenant dans la zone A. TJ Savanier qui avance, qui lance Adams. Adams dans la zone A avec le pied droit. Et ça passe juste sur le côté à gauche du but. Mais il y avait hors-jeu. Donc, de toute façon, ça ne comptait pas. On l'a vu ralentir hein, sur sa course. Il savait qu'il était hors-jeu. Il n'a pas tout mis dans cette frappe. Oui, c'est la belle passe de TJ Savanier, mais un petit peu trop tard. D'accord, Adams qui est sevré de ballon pour l'instant dans ses 38 premières minutes. Il n'a pas pu se mettre en évidence. La nouvelle recrue de Montpellier qui a déjà 3 buts en 3 matchs cette saison. Lucas Chevalier qui va allonger vers Youssouf Yazici et qui est au duel avec Silla. Mais c'est le défenseur montpelliérain qui a gagné ce duel dans la zone D. Qui a tenté le sombrero là, qui passe de Silla qui est pour essayer de se mettre en avant vers Wahbi Khazri maintenant dans la zone A. Le long de la ligne, Wahbi Khazri qui va trouver Adams. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu. Accor Adams, il a un petit peu d'espace sur le côté. Accor Adams qui va rentrer dans la surface. Son sur pied gauche, le centre au second poteau. Ah, c'est trop loin. Ça lobe tout le monde et ça part en touche dans la zone B. Trop loin, trop fort, trop haut pour ce centre de Accor Adams. Mais les Montpelliérains qui vont rester très haut hein, sur cette touche. On voit que c'est même TJ Savanier qui était premier sur le ballon de la touche. Ils ne vont pas changer, ils vont pas changer de camp, les Montpelliérains. Ils vont rester très haut. Même les défenseurs sont dans les zones A et B. Une touche pour les Lillois et ça se dégage directement. Donc ça revient directement dans les pieds de Kiki Koyaté qui s'est complètement loupé sur son dégagement. Mais il n'y avait personne derrière lui, donc ce n'est pas dangereux. Ça l'aurait pu l'être si Jonathan David était plus proche. Et là, on repart avec TJ Savanier au niveau de la ligne médiane. Avec Léo Leroy dans le rond central qui est pressé par Yazici dans son dos, mais il se bat bien Léo Leroy et il a toujours le ballon à... Assez dommage, Benoît Millot qui arrête le jeu. Léo Leroy qui partait vers l'attaque, mais il y a eu un compte favorable pour lui, c'est pour ça qu'on a arrêté le jeu. Et là TJ Savanier qui joue vite vers Altamari, mais c'est raté, c'est trop long, ça part en 6 mètres. TJ Savanier qui fait le jeu pour l'instant de Montpellier, il est sur toutes les actions, le capitaine montpelliérain. Et on repart avec Lucas Chevalier et Lenny Yoro. Alors c'est toujours le défenseur qui prend le ballon sur le côté de la surface de réparation et qui la passe à Lucas Chevalier. Ouais, Lucas Chevalier qui va dégager du pied droit. Et c'est ça va arriver quand même sur la tête de Cavaliero. Cavaliero avec Benjamin André. Et on repart avec Gomez. Et on allonge beaucoup plus que les autres matchs hein, du côté lillois. On repart de derrière. On veut éviter de faire des erreurs bêtes. Pour la défense lilloise, Chevalier qui a déjà envoyé une dizaine de ballons vers l'avant et on a joué que très peu court du côté du LOSC. Et on part avec Alexandro dans la zone B, pressé par TJ Savanier. Alexandro qui est obligé de reculer, qui trouve Gomez, mais juste derrière il y avait Wahbi Khazri. Wahbi Khazri qui a empêché Gomez de faire quelque chose, mais Gomez qui a quand même trouvé Santos. Yazici maintenant, Yazici la passe au centre et ça va directement sur le roi, le Montpellierin. Alors on repart de derrière pour Montpellier avec TJ Savanier toujours au milieu du terrain. Sako maintenant dans la zone C. Et maintenant entre les zones C et D, on passe dans la zone D avec Kiki Koyaté. La défense montpelliéraine qui essaye de trouver des solutions. Et c'est TJ Savanier qui va apporter cette solution à droite, qui va trouver dans la profondeur Altamari. Mais avant lui, il y avait Alexandro, il me semble. Et donc, ça sera une touche pour les Montpelliérains dans la zone B.
Altamari qui l'a effectué et qui va de nouveau obtenir une touche dans cette même zone B. Et c'est cette fois-ci Silla qui va l'effectuer. Beaucoup de débordement dans ce côté droit. On a obtenu beaucoup de touches du côté de Montpellier dans cette zone B. Et là, on est avec Silla qui a récupéré le ballon. Savanier, Silla dans cette zone B, ça joue avec le petit espace. Ou Savanier qui a été bousculé, mais ça joue. Et le ballon est dégagé vers la zone C pour une touche montpelliéraine. Montpellier qui va essayer d'aller marquer ce but avant la mi-temps. On est maintenant à la 41e minute, plus que 4 minutes, plus le temps additionnel avec la pause fraîcheur évidemment qui a eu lieu. Sacco qui effectue cette touche pour les Montpellierains, qui va aller chercher Teji Savanier, dans la zone B. Teji Savanier qui a réussi à contrôler ce ballon, qui voulait mettre en profondeur Adams. Malheureusement, il y avait les Lillois avec Yoro qui a intercepté ce ballon et ça a été redégagé par les Lillois. Et là, c'est une faute défensive de Kiki Kouyaté qui redonne le ballon directement à Gomez. Gomez au milieu de terrain qui va chercher sur le côté Santos. Santos dans la zone D. Santos dans la zone D, mais il ne se passe rien devant lui. Obligé de revenir sur Gomez en arrière. On est maintenant au milieu de terrain. Et le bloc lillois est très haut. Les deux défenseurs sont sur la ligne médiane. Alexandro qui a le ballon, mais qui repart derrière sur Yoro. Il ne faut pas se tromper. Akor Adams rôde près de Lenny Yoro, mais c'est bien fait. Et c'est Angel Gomez qui a la balle au milieu de terrain. Il repart sur Chevalier. On a reperdu 50 mètres du côté lillois. Et là, le dégagement de Chevalier est complètement dévissé, mais c'est quand même récupéré par Yazice dans la zone A. Kou qui a tenté un geste technique, mais ça passe. Le 1-2 avec Cabella. David qui est trouvé. Yazice toujours dans cette zone A pour trouver Benjamin André. Il a de la place. Benjamin André dans le rond central qui va envoyer Gudmundsson en profondeur. Ah, ça passe, c'est trop appuyé. C'est Silla qui peut récupérer le ballon. Et le tacle de André qui compte ce ballon. On est toujours dans la zone C. Gudmundsson qui rend le ballon à la défense montpelliéraine. C'est Benjamin en compte maintenant qui peut dégager vers la zone B. La tête d'Alexandro. Et c'est André qui a le ballon dans le milieu de terrain. Et c'est David qui est trouvé avec Youssouf qui a un peu de place dans la zone D. Rémi Cabella qui va s'excentrer dans la zone D. Non, il repart derrière sur Gomez. Gomez pour trouver Gudmundsson dans la zone C. Il a de l'espace. Gudmundsson s'accélère dans la surface. Le centre à ras de sol. Oh, il s'était troué. Kouyaté. Ben ça, c'est Silla qui peut dégager. Qui dégage vers Alexandro. Et on repasse. On part par derrière avec les Lillois. Gomez maintenant dans la zone D, Cabella dans la zone D face à Kazri. Et on repart encore avec Gomez, avec Santos pardon, qui prend le ballon du pied droit. Et là, il y a eu un tacle de Isiaga Silla qui a pris toutes les jambes de Rémi Cabella, mais qui a pris le ballon aussi. Donc il n'y a pas faute et c'est reparti avec Kazri qui a voulu faire chercher en profondeur quelqu'un qui n'y était pas en tout cas, parce qu'il n'y avait aucun Montpellierain devant. Et donc ça revient directement dans les pieds de Lucas Chevalier. Il va rester 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Et il y aura bien évidemment du temps additionnel. Et c'est Lille qui a de nouveau la possession avec Lenny Yoro qui repasse par Chevalier, qui a touché beaucoup de ballons dans cette première période. Mais il n'y a pas beaucoup de mouvement pour l'instant. Rémi Cabella qui va être trouvé en zone A où ça passe pour Benjamin André était risqué, mais c'est David maintenant dans la zone D. Yazici sur le long de la ligne. Yazici dans la zone D qui a de l'espace, qui va aller dans l'axe. Il y a Gudmundsson qui se propose, il est servi. Gudmundsson dans la zone C qui rentre dans la surface, de nouveau un centre à ras de sol et c'est dégagé par Leroy en touche dans la zone C. Gudmundsson qui est très en vue dans ce début de match, il arrive toujours lancé et c'est en face de lui, c'est le numéro 9 montpelliérain Altamari qui a du mal en défense face à Gudmundsson. Et on est encore dans la zone C pour les Lillois, près du poteau de corner pour cette touche. Et avec Rémi Cabella qui est défendu par Sacco. Et on va repasser derrière avec Gomez le long de la ligne de touche et Alexandro. Et on est maintenant au milieu de terrain. On est repassé en zone B avec Lucas Chevalier qui va jouer avec Yoro. Maintenant en zone A au milieu du terrain. Alexandro toujours proche du milieu du terrain. Et Rémi Cabella dans la zone C. Un jeu de passe pour l'instant, un jeu très arrêté du côté des Lillois. Pas beaucoup d'appels, de mouvements. Oui, un jeu stérile. Là, on fait beaucoup tourner dans la défense. Et on aura 6 minutes de temps additionnel pour cette première période. 6 minutes dues évidemment à la pause fraîcheur et aux quelques arrêts de jeu pour blessures, notamment Gudmundsson et Gomez. Et le ballon qui est sorti. Ouais, donc c'est les Montpellierains qui reprennent ce ballon dans la zone C. Avec Lecomte dans sa surface. Lecomte qui va essayer de trouver Casrido au jeu. En appui pour Leroy. On va trouver maintenant en zone C Omar Agic. Pour Fala Isako qui va aller vers la zone B le long de la ligne.
pour retourner sur Wahbi Khazri. Wahbi Khazri qui regarde sur sa gauche pour voir s'il y avait un petit peu d'espace. Finalement, on va revenir en arrière avec Altamari. Altamari proche de la ligne et on repasse encore par la défense montpellierenne. On a du mal à trouver des espaces. Le jeu s'est un peu fermé du côté lillois. Kiki Koyate qui trouve à l'intérieur ici à Gassila, mais c'est intercepté par les Lillois. Rémi Cabella tout seul dans la surface de réparation, pied droit. Et pied droit à ras le sol, évidemment, Benjamin Lecomte n'avait qu'à se coucher. Il récupère ce ballon dans les mains, il dégage rapidement sur Sako, maintenant dans la zone C. Sako dans la zone C, ça repart vite, donc on vous décrira l'action plus tard avec Altamari le long de la ligne. Toujours dans la zone B maintenant, il va changer de côté vers Teji Savanier qui est trouvé le bon contrôle de Teji Savanier qui va aller dans l'axe. On va de nouveau retrouver en zone B Falaï Sako. C'est Falaï Sako qui a de nouveau la balle en zone B. Altamari avec son pied gauche. Altamari pour retrouver Savani en appui pour trouver de nouveau c'est Wahbi Khazri. Le bon retour de Gudmundsson qui va obtenir la faute. Wahbi Khazri a voulu toucher la balle mais c'est Gudmundsson qui l'a touché et c'est une faute pour Lille dans la surface. Alors on va revenir sur l'action précédente. Il y a eu un bel appel en profondeur de Rémi Cabella qui a été servi après que les Montpellierains aient perdu la balle à 40 mètres du but. Et cette perte de balle a failli être décisive pour les Montpellierains. Mais Rémi Cabella qui tire du pied droit, ras de sol et pas assez fort, pas assez surprenant face à Benjamin Lecomte qui est un très bon gardien de Ligue 1 et qui a déjà fait ses preuves et qui sait comment réagir face à un contre un. Et donc un arrêt, on va dire, simple pour Benjamin Lecomte. Oui, mais c'est surtout le point faible de Rémi Cabella dans ce début de saison, c'est ses frappes qui sont trop molles, pas assez puissantes pour inquiéter le gardien. Et ça s'est vu sur cette action, il était tout seul, il rentrait dans la surface et sa frappe était trop écrasée, trop facile pour Benjamin Lecomte. Ouh, le bon geste technique là de André Gomez qui fait lever la foule, qui s'est défait de deux joueurs pour trouver maintenant en zone D Yazice. Yazice qui se met sur son pied gauche pour trouver David au jeu. Oh, le bon double contact de David qui pour trouver Gomez. Gomez à 20 mètres, David maintenant. Oh, la faute, non, le ballon, très belle intervention défensive de Kouyaté. C'est maintenant Altamari qui est trouvé dans la zone B. Altamari qui est lancé en profondeur face à Gudmundsson et Alexandro. Et très bon retour du Suédois pour donner à son gardien. Il s'est écroulé dans la surface de réparation Altamari parce qu'il était pris par deux joueurs et il n'arrivait pas à trouver la solution. Et là ça a été très dangereux pour les Lillois. On vous a déjà vanté les qualités de contre de Montpellier. Bah, c'est allé très très vite et on repart avec Lille évidemment avec Gudmundsson qui repasse par Alexandro. Alexandro qui a pensé louper la balle mais il y avait Lucas Chevalier derrière. Et c'est Yazice maintenant qui va être essayé. Non, il n'a pas été trouvé. Ça a été intercepté par le numéro 3 Montpellier 1 qui a maintenant le ballon qui s'est un petit peu poussé par Yazice. Et il y aura une faute pour Montpellier. Un coup franc juste en zone A, proche de la ligne du milieu de terrain. Il va rester moins de 3 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Toujours 1-0 pour le LOSC dans ce match, dans cette quatrième journée de Ligue 1. Et le ballon est pour Montpellier en zone A et Wahbi Khazri qui va essayer de trouver un partenaire. Il va changer le jeu vers la zone B sur Falaï Sako. On est avec Chotard maintenant. Chotard pressé par Cabella. Chotard de nouveau qui a perdu le ballon. Et c'est un contre pour Jonathan David qui accélère. Plein axe. On est à 30 mètres maintenant du but. Jonathan David, il a Cabella à sa gauche. Est-ce qu'il va être servi? Cabella a été servi à sa gauche. Le centre de nouveau sur David. Ah, David qui rate le ballon. Et ça file vers la zone D sur Silla. David qui a mis son pied en opposition sur le ballon mais qui rate. Il était tout seul au point de pénalty. Oui, il attendait un petit peu plus devant et du coup ça l'a fait un petit peu reculer. Il n'a pas eu le temps de réajuster la distance qu'il avait avec le ballon. Et c'est encore une occasion pour les Lillois. Manque et on est reparti avec TJ Savanier dans la zone B, proche de la surface de la ligne pardon, de touche. TJ Savanier toujours face à deux Lillois. Il centre du pied gauche. Non, il va aller chercher de l'autre côté le numéro 3, Issa Gassila qui ne trouve pas la solution. Wahbi Khazri maintenant, est-ce qu'il va centrer du pied droit? On l'a vu hésiter et on repasse derrière avec Chotard. Silla maintenant, toujours en zone A, proche de la ligne de touche. Wahbi Khazri à l'entrée de la surface de réparation qui va essayer de se retourner, il n'y arrive pas. Il repasse avec Silla sur le côté et le centre de Silla qui va aller s'échouer de l'autre côté du terrain en touche. Et Sako a essayé de sauver ce ballon mais il n'a pas réussi, ça va être une touche proche du point de corner. Alors que tout le stade donne de la voix pour le LOSC. Il va rester quelques secondes à jouer, une minute maximum à jouer dans ce temps additionnel de cette première période.
Et c'est une touche pour Gudmundsson proche du point de corner en zone B. Une touche longue vers l'avant pour essayer de trouver David. Ah, le ballon lui lobe un peu. Ça va être un ballon rendu à Montpellier. Savagnier à 30 mètres. Ouh, la magnifique roulette de Thésis Savagnier qui garde le ballon au sol. Il est bien repris par Rémi Cabella. Et c'est maintenant un contre lillois qui va. Oh, Youssouf Yazid a essayé de tenter la même chose, mais c'est raté. Et c'est un ballon pour Silla en zone D. Silla qui va repartir de la zone D. Ouais, c'est, on siffle la mi-temps ici au stade. Pierre Mauroy, 1-0. Pour Lille avec ce but de Yazici à la deuxième minute seulement. Et depuis, il y a eu quelques occasions hein, lilloises, on les a vu très dangereux. On se rappelle notamment il y a quelques minutes la frappe un petit peu trop molle de Rémi Cabella et aussi la passe manquée avec Jonathan David dans la surface de réparation. Mais ils ont trouvé des espaces, les Lillois, il ne reste plus qu'à concrétiser pour prendre un peu plus d'avance parce que du côté montpelliérain, on n'est pas en reste non plus. Voilà donc pour cette première période. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour suivre la seconde période de ce match entre Lille et Montpellier. A tout de suite. Et on est de retour au stade Pierre Mauroy. Une rencontre entre Lille et Montpellier. Pour l'instant, il y a toujours 1-0 pour Lille avec ce but, on le rappelle, de Yazici à la deuxième minute. Et pas de changement du côté des deux équipes. On repart avec les mêmes 11 titulaires qu'au début de match. Les champs, on va vous rappeler les zones. Donc 4 zones ABCD pour vous situer dans notre commentaire. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Donc nous sommes situés en tribune sud. On a un but à gauche et un but à notre droite. Les équipes ont changé de côté. Évidemment, le LOSC est dans les zones C et D et attaquera dans les zones A et B. Ils sont toujours en rouge avec un short et des chaussettes bleu marine. Et Montpellier est dans les zones A et B et attaquera dans les zones C et D. Monsieur Millot, l'arbitre, est tout en noir et c'est reparti pour la seconde période. TG Savagnier qui a donné ce coup d'envoi pour Montpellier et qui va élancer dans la zone C. Maintenant avec Montpellier, Adams qui a essayé de contrôler ce ballon, mais Yoro a bien répondu, le défenseur lillois. Les Lillois qui reprennent le ballon, Gomez qui perd ce ballon et ça revient dans les pieds de Altamari. Il y a une petite faute par derrière du numéro 17 Lillois Cavallero qui a touché les pieds de Altamari alors que ce dernier allait vers le but. Ça sera un coup franc pour Montpellier à une dizaine de mètres de la surface de réparation à gauche de Lucas Chevalier. TG Savagnier qui place son ballon pendant que Monsieur Millot place le mur avec toujours la petite bombe de mousse qui permet au mur de se placer. On a la même chose sur le ballon. Et on a un mur de deux joueurs composé de Gudmundsson et Gomez. C'est Savagnier et Sako qui sont derrière le ballon. Et c'est Savagnier qui a pris beaucoup d'élan. Est-ce qu'il va frapper directement ou va-t-il mettre un ballon dans la surface, il a pris son élan, c'est frappé directement. Oh, la parade de Chevalier qui s'allonge bien pour mettre le ballon sur le côté, mais c'est pas fini. Le ballon est centré vers la zone D, mais ça lobe tout le monde. C'est Altamari qui va essayer de se débattre avec Cavallero et c'est récupéré par Cavallero. Gudmundsson qui dégage en touche en zone D. La belle parade de Lucas Chevalier, le ballon qui était arrivé à sa droite et il s'est allongé complètement au sol et il l'a attrapé du bout des mains. C'est revenu sur un Montpellierain, mais le deuxième centre était trop haut. Une belle occasion pour Montpellier à l'entrée au début de cette deuxième période alors qu'on est seulement à la 47e minute. Et là, il y a un long dégagement de Benjamin Lecomte qui essaie de trouver TG Savagnier. Ça revient sur des têtes lilloises. Le ballon n'est toujours pas contrôlé ni par une équipe ni par l'autre. Et c'est finalement les Lillois. Non, toujours pas de contrôle du ballon. Le ballon qui est pour l'instant en l'air. Et ça revient dans les pieds de Jonathan David qui essaie de lancer Yazici en profondeur. Et c'est récupéré par Silla, le Montpellierain, qui est maintenant dans la zone B et qui va aller donner la touche au Montpellierain dans cette zone B. Oui, il s'est un peu fait prendre par son propre élan. Silla qui n'a pas pu s'arrêter avant la ligne de touche et la touche est vite jouée avec Rémi Cabella pour repartir sur Lenny Yoro dans la zone B. Une défense lilloise qui est une nouvelle fois très haut sur le terrain du côté proche de la ligne médiane et avec un petit pressing d'accord à Adam, ça permet de faire reculer le bloc lillois pour passer le ballon à Chevalier. La passe à ras de sol sur Rémi Cabella, plein axe, qui essaye de mettre en une touche sur David. Et c'est raté, ça va être récupéré par Montpellier dans la zone D. Et là, ça bataille dans la zone D. C'est un dégagement de Gomez sur Cavallero qui contrôle de la poitrine. Pour remettre sur Gomez, Cabella sur Lenny Yoro qui est pressé. Et sur son contrôle, il a
Il a mis dans le vent Wahbi Khazri. C'est maintenant Thiago Santos qui part dans la zone C sur Jonathan David maintenant. Jonathan David qui s'avance dans la 20 mètres. Le petit crochet de David qui s'est fait prendre le ballon cette fois-ci par Chotard. Et c'est Montpellier qui a le ballon avec Accor Adams de haut jeu. Ouais, le bon retour de Chotard qui est arrivé derrière Jonathan David et qui a réussi à récupérer ce ballon. Maintenant Adams dans au milieu du terrain et c'est repris par Benjamin André. On va essayer de repartir vers l'avant du côté des Lillois avec Gudmundsson qui trouve Benjamin André sur le côté gauche dans la zone A. Et on repasse par derrière avec Alexandro dans la zone D. Lenny Yoro maintenant dans la zone C. Santos dans la zone C. Pas de mouvement pour l'instant du côté des Lillois. Gudmundsson qui s'écarte sur la ligne de touche et les Montpellierains qui commencent à presser avec Adams sur Lucas Chevalier. Et là c'est Gomez qui va être pressé. Lucas Chevalier qui reprend le ballon, qui le dégage très loin. Et c'est Sacco qui sera le Montpellierain qui sera à la retombée. Et on va repartir avec Alexandro du côté des Lillois. Et c'est Yazice qui va finalement contrôler ce ballon au milieu de terrain. Il s'axe vers le milieu de terrain et fait la passe à Cabella. Cabella du pied droit qui fait un contrôle beaucoup trop long et qui est donc contré par, par Koyate. Et c'est revenu dans les pieds de Santos et qui a, de Cavaliero pardon, qui a complètement loupé son contrôle. Et ça sera une touche montpelliéraine dans la zone A. Le Chotard pour remonter le ballon, pour trouver Savanier. En zone A, le long ballon au-dessus de la défense vers Altamari en zone D et c'est couvert par, par Alexandro alors qu'on va revenir à une faute de Cavaliero qui va obtenir le premier carton. Non, c'est Angel Gomez qui a fait faute sur Savani qui se tord de douleur là, en zone A. Ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on suivait le ballon qui était parti en zone D pour une attaque montpelliéraine rapide. Et on a vu Michel Derzakarian en tout cas très énervé après avoir vu TJ Savani s'écrouler juste devant lui. Et TJ Savanier qui n'a pas l'air de se relever, Michel Derzakarian qui est juste au-dessus de lui en train de prendre des nouvelles. Les soigneurs qui s'activent autour du joueur, il semblerait que ce soit la cheville droite qui ait été touchée. Ouais, sans doute un tacle à retardement de Gomez qui a donc envoyé Savanier sur la touche près de son entraîneur. Mais il s'est relevé, le numéro 11 et capitaine Montpellier. TJ Savanier qui revient sur le terrain et on repart de l'arrière pour les Montpellierains avec Benjamin Lecomte dans sa surface de réparation qui va trouver Omerazic. Omerazic qui va lancer en profondeur Adams qui se bat avec Alexandro. Il y a eu du tirage de maillot des deux côtés, aucune faute de sifflet et c'est finalement dans les bras de Lucas Chevalier que ça va retomber. Et on a vu Alexandro s'énerver contre l'arbitrage après ces tirages de maillot successifs, mais c'était des deux côtés, on va pas. Et c'est exactement ce qu'a dit Benoît Millot, il a montré avec ses mains le tirage de maillot avec ses deux mains, donc des deux joueurs. C'est très bien arbitré par monsieur l'arbitre. Et là c'est une récupération très haute de Montpellier avec Savanier en zone C qui va envoyer un long centre, vers Wahbi Khazri. C'est détourné par Chevalier, plein axe, mais c'est récupéré par Thiago Santos alors que Benjamin André s'est écroulé. Mais on va revenir à la faute vu que Montpellier avait récupéré la balle. Savanier qui s'est fait qui a eu un croche-pied par Savanier par derrière. On va repartir de la zone C pour les Lillois. Et là, on a vu sur le centre précédent, Wahbi Khazri qui n'était pas très loin. Hein. Il a vu aussi les points de Lucas Chevalier qui ne sont pas passés très loin de la tête. Hein. On n'est pas passé très loin d'un choc important, mais il n'y a rien eu. Donc on repart évidemment de l'arrière pour les Lillois avec Alexandro dans la zone D. Gomez maintenant, Alexandro de nouveau dans la zone D. TJ Savanier qui va commencer le pressing avec Adams qui va suivre pour presser sur Alexandro. Avec Adams qui presse sur Alexandro, mais Alexandro qui trouve son milieu de terrain. Et on est reparti sur le côté avec Yazice. Yazice qui est dans la zone B maintenant le long de la ligne de touche avec Rémi Cabella. Cabella à Gomez, ça joue en une touche entre les deux. Et on va partir maintenant sur David, très excentré, qui a décroché pour trouver André. On est dans la zone A avec Gudmundsson. De nouveau sur le capitaine lillois pour repartir sur Alexandro, très haut sur le terrain encore une fois. Tout comme Lenny Yoro, le pressing des attaquants lillois sur Thiago Santos qui fait un travail de la semelle pour trouver Gomez dans le rond central. On va décaler maintenant Benjamin André dans la zone A. Rémi Cabella qui passe au-dessus du ballon pour retrouver maintenant Cavaliero. Cavaliero qui est bien pris par Chotard et Silla, mais il garde le ballon Cavaliero pour Gomez, plein axe pour trouver Rémi Cabella maintenant. Il a un petit peu d'espace à 20 mètres, il va rentrer dans la surface. Cabella qui crochette, qui va décaler Lucio Fiasicier qui a frappé en une touche, mais c'est complètement dévissé de la part du Turc et ça passe bien au-dessus de la cage de Lecomte.
C'était pour les DVE, c'était un petit cadeau ce ballon. Et on repart du côté Montpellier avec Benjamin Lecomte qui va trouver de l'autre côté Issiaga Silla. Teddy Savanier maintenant dans la zone B qui a perdu le ballon au profit de Benjamin André. Et Yazici maintenant dans la zone B qui va trouver dans la zone A Cavalero. Cavalero dans le centre pour Rémi Cabella. Et c'est Sacco. Ça revient dans les pieds de Sacco, le Montpellier qui va trouver Altamari. Altamari qui s'est bien retourné, qui cherche des coéquipiers devant lui. Il va y aller tout seul parce qu'il n'y a personne. Il avance, il a été retenu, hein, mais il y a eu un contre favorable. Il y a eu une petite main qui n'a pas été sifflée de Lenny Yoro, les Lillois qui reprennent le contrôle du ballon. Oui, Lenny Yoro qui a stoppé la course d'Altamari, mais avec sa cuisse et son bras qui a bloqué un peu le ballon entre donc, la cuisse et son bras. Monsieur Millot était bien placé et il n'a pas sifflé. Il a peut-être vu que c'était plus sur la cuisse que sur le bras. Mais dans tous les cas, c'est un bon déboulé d'Altamari pour mettre du danger dans la défense lilloise. Et ça a été bien stoppé par le très jeune défenseur lillois. On est maintenant dans la zone A avec Gudmundsson, le long de la ligne de touche, pour trouver Yazici qui se retourne avec son pied gauche. Le petit extérieur sur David pour retourner derrière sur Gudmundsson et maintenant sur Alexandro. Et Yoro. Yoro qui a failli louper le contrôle de ce ballon. Mais malheureusement pour les Montpellierains, Savanier était un petit peu loin pour récupérer ce ballon. Yoro de nouveau dans la zone C qui va commencer à être pressé par Savanier. Les Montpellierains qui sont remontés haut sur le terrain et ça laisse des espaces avec Gomez maintenant en face entre les zones A et B. Il y allait tout seul, il est maintenant dans la surface de réparation, pied gauche, oh, et l'arrêt de Benjamin Lecomte. C'était le ballon est arrivé sur sa gauche à une hauteur poitrine et il a plongé, il a arrêté des deux mains et ça sera corner pour les Lillois. Oui, il nous a fait quasiment un tout droit là, Angel Gomez, jusque vers, dans le point de pénalty pour se décaler sur son pied gauche. Mais on a une belle horizontale de Benjamin Lecomte qui détourne le ballon en corner. Et Monsieur Millot est tout de suite allé voir Michel Dazarcanon là qui s'énerve sur l'arbitre. Et voilà, il va se prendre un carton. Carton jaune qui est célébré par le stade. Carton jaune pour l'entraîneur qui continue de râler auprès de l'arbitre. Oui, on le sait, c'est pas son premier carton jaune, on va dire. Et on repart avec les Lillois et Yazici qui est prêt pour frapper ce corner dans la zone A. Qui a frappé dans une bouteille maintenant, derrière Zakarian. Corner pour les Lillois, Youssef Yazici, c'est au point de pénalty, c'est une tête de Yoro à gauche de Benjamin Lecomte. Et on va repartir avec les Montpellierains. Benjamin Lecomte dans sa surface de réparation, lui qui est habillé en jaune fluo, jaune vert fluo entre les deux. Il a posé le ballon à terre et est-ce qu'il va repartir avec sa défense avec Omer Hadjic? Oui, Benjamin Lecomte qui reprend ce ballon toujours dans sa surface de réparation au niveau du point de pénalty. Il va dégager ce ballon du pied gauche et il va essayer de trouver Akor Adams en attaque et Akor Adams qui se bat pour ce ballon mais qui le perd face à 4 Lillois. On repart du côté de Lille avec Gomez. Oui, Gomez avec André sur Chevalier maintenant, mais oui, Akor Adams est seul là face à 2-3 défenseurs lillois. Il peut pas faire grand chose pour l'instant. L'attaquant Montpellierain. Et là, on a Benjamin André qui s'est retourné pour lancer David vers le rond central. David qui continue sa course pour décaler à sa droite Thiago Santos dans la zone B. Thiago Santos pour Cabella, le petit ballon dans la surface pour retrouver Santos. Plein axe. Santos qui va frapper avec son pied gauche. Ouh, c'était sur la gauche de Benjamin Lecomte. Ça rase le poteau du portier Montpellierain. Et le ballon qui file donc en 6 mètres. Et pendant toute cette action, Michel Darzacarion est allé s'asseoir. Il a décidé d'être un peu plus calme et non, il repart. Il est reparti, il a pris quelques consignes auprès de son staff. Et il repart dans sa surface, dans sa zone technique. Enfin, en dehors de sa zone technique, tout comme Paulo Fonseca. Les deux entraîneurs très actifs. Alors on repart dans le jeu avec TJ Savanier en zone A qui s'est fait bien pousser par Alexandro derrière. Et on a entendu le cri de TJ Savanier. Jusqu'ici on est beaucoup plus haut et il a bien crié le Montpellierain. Et là ça commence à s'échauffer entre Cavalero et Chotard. Oui, c'est aussi avec Alexandro qui a voulu bloquer le coup franc. Donc il s'est mis juste devant le ballon. C'est Cavalero maintenant qui est repris par monsieur l'arbitre. C'est Chotard qui a voulu jouer vite et qui s'est énervé, qui avait même chippé le ballon dans les bras d'Alexandro, tandis que Savanier s'est relevé.
Les esprits s'échauffent dans ce match. Et c'est le défenseur montpelliérain Omer Hadjic qui va effectuer ce coup franc. Avec derrière pour Kiki Koyaté qui va trouver Silla dans la zone B, qui va aller chercher Wahbi Khazri qui est lui dans la zone C. On demande un hors-jeu du côté des Lillois et il y aura hors-jeu de Wahbi Khazri. Oui, qui était largement en avance sur ce ballon. Il avait quelques mètres d'avance sur la défense lilloise. Et on repart maintenant avec Cavalero en zone D pour Gomez dans le cœur du jeu. André en une touche pour Cabella. Et là, ça va accélérer pour Cabella dans la zone B. Il y a Thiago Santos à sa droite. Cabella qui va être servi. Thiago Santos qui va retrouver Cabella. Le 1-2 avec Santos. Le petit ballon au-dessus. Plein axe pour Benjamin André qui va frapper. Oh, c'était plein axe. Et Benjamin Lecomte tranquillement capte le ballon au niveau de sa tête. Ouais, c'était plein axe en plein milieu du but. Et Benjamin Lecomte qui n'a pas eu. Il a juste sauté, il a chopé le ballon et c'est reparti pour les Montpellierains avec Altamari qui revient derrière avec Sacco. On est toujours dans la zone A. Sacco dans la zone A qui cherche une solution. Il n'y a pas beaucoup de mouvement devant. Et on repasse derrière avec Omer Hadjic. Kiki Koyaté maintenant dans la zone B. Silla dans la zone B le long de la ligne de touche. Koyaté, Silla, les Lillois qui deviennent pressants. Donc on repasse par Benjamin Lecomte. Qui va se faire presser par Jonathan David. Et il dégage donc droit devant. Altamari qui va essayer de se battre pour le ballon. Mais c'est Gunmusson qui était le premier sur ce ballon. Et c'est TJ Savanier qui va mettre ce ballon en touche. Ça va être une touche pour les Lillois dans la zone A, à quelques mètres de la ligne médiane. Ce qui va permettre à Montpellier de faire un double changement. C'est le numéro 18, Léo Leroy, qui va sortir pour Arnaud Nordin. On aura aussi Jordan Ferry qui va rentrer dans quelques instants avec son numéro 12. Mais ça sera à la place de qui? Pour l'instant, Léo Leroy au milieu échangé. Et ça sera Adams, Accor Adams, qui va sortir l'attaquant à la place de Jordan Ferry. Ouais, Accor Adams qui n'avait pas été beaucoup trouvé dans cette attaque et il sort déçu. Montpellier qui effectue ses changements avec la rentrée de Arnaud Nordin qui a déjà marqué dans cette saison, c'était face à Lyon avec la victoire des Montpelliérains 4-1. Oui, on aura donc Wahbi Khazri normalement avant-centre pour cette équipe de Montpellier. Quant à Jordan Ferry, il va se placer poste pour poste à la place de Léo Leroy. Et c'est reparti pour Montpellier qui a récupéré la balle après une touche des Lillois. TJ Savanier dans la zone D qui va aller chercher Wahbi Khazri au centre. C'est Yoro qui va dégager ce ballon, mais ça retombe dans les pieds de Jordan Ferry, le nouvel entrant justement, qui va trouver Silla dans la surface de réparation. Oh, il y avait 4-5 Lillois et seulement Wahbi Khazri. Et c'est Alexandro qui a dû dégager ce ballon au-dessus de son but. Corner pour les Montpelliérains. Corner avec un dégagement d'Alexandro juste au-dessus de la barre de Lucas Chevalier. Il a failli tromper son gardien, mais c'est mis en corner. C'est TJ Savanier qui va aller vers le point de corner dans la zone C. Donc pour finir sur les changements, Arnaud Nordin va se placer sur le côté gauche. Khazri donc va pivoter, va aller dans avant-centre et Ferry au milieu de terrain. TJ Savanier pour ce corner dans la zone C. Lucas Chevalier qui lève les deux mains, corner tiré du pied droit et ça revient directement dans les pieds de TJ Savanier, toujours dans la zone D. Et là, il n'y avait personne et ça est directement dans les bras de Lucas Chevalier. Avec le aux armes qui est lancé dans le stade. Le ballon est donc pour Lucas Chevalier. Alexandro Gomez au milieu de terrain qui va porter le ballon vers l'avant, vers le rond central. Pour décaler Cavalero qui remet tout de suite à Gomez. En une touche maintenant pour David. Il s'est excentré sur le côté gauche. David qui joue de son corps là, qui est emmené un peu vers l'arrière par Sacco. Mais ça joue, il a été mis au sol. C'est Ferry qui va récupérer le ballon. Ferry qui a été repris par Cavalero. Toujours pas de faute. On laisse beaucoup jouer maintenant cette année en Ligue 1. C'est une nouvelle règle. Et Benoît Millot le fait parfaitement. Cabella, André au milieu de terrain pour trouver Thiago Santos dans la zone C. Rebassé sur Yoro et Chevalier. Les Montpelliérains qui prennent beaucoup de risques, hein, ils sont très hauts en défense, c'est quasiment de l'individuel et ça peut partir très vite, hein, en profondeur du côté des Lillois, mais là ça a bien fonctionné le pressing puisque c'est les Montpelliérains qui récupèrent la balle au niveau de la ligne médiane en zone C et il y aura une faute de Rémi Cabella
Oui, qui a poussé Issa Gassila, il me semble. Il est donc classé sifflé. Et on va repartir donc en défense pour Montpellier avec Jordan Ferry en zone A qui porte le ballon, un long ballon vers Altamiria. Non, il n'était pas parti, le Jordanien. C'est donc un ballon rendu à Chevalier. Et de toute façon, il était hors jeu. Lucas Chevalier qui va attendre que Wabi Kazri vienne presser pour récupérer ce ballon dès demain, c'est fait. Et c'est, il fait la passe à Yoro maintenant. Yoro à l'entrée de la surface de réparation. Lucas Chevalier juste derrière lui. Les Montpellierains qui sont pressants. Et là, Gomez a failli perdre le ballon avec Savagnier qui arrivait juste derrière. Yoro maintenant dans la zone D qui va chercher à l'extérieur Benjamin André. Et là, la passe magnifique de Yazice qui va trouver Rémi Cabella. Rémi Cabella qui a traversé la moitié du terrain déjà, qui est devant la surface de réparation, qui essaie de trouver Jonathan David. Ça sera finalement Cavallero à l'entrée de la surface de réparation qui enroule sa frappe du pied droit et ça passe à côté. Ça passe à quelques centimètres à gauche du gardien Montpellier. Il se prend la tête dans ses mains, Cavallero qui avait bien travaillé son ballon pour l'enrouler dans la lucarne à gauche de Lecomte. Lecomte avait tout de suite vu que c'était pas dedans. Il a couru pour récupérer un ballon, mais très belle action lilloise sur un contre du côté droit. On va repartir avec Benjamin Lecomte du côté des Montpellierains, Michel Terzakarian qui est maintenant quasiment sur le terrain. Benjamin Lecomte qui va directement chercher Altamari en pointe. Malheureusement, ça sera Alexandro pour les Montpellierains. Alexandro qui va trouver Yazice. Yazice dans la zone B qui trouve Jonathan David. Maintenant, on est dans la zone C avec, Rémi Cabella. Cavallero dans la surface de réparation. Cavallero toujours dans la surface de réparation qui a essayé de trouver Jonathan David au point de pénalty. C'est dégagé par les Montpellierains. Ça revient rapidement avec Gomez dans la zone A. Et on va passer de l'autre côté avec Benjamin André dans la zone B. Cabella qui met en une touche pour Thiago Santos dans la zone B qui déboule sur le côté droit. Il centre à ras de sol, c'est dégagé vers la zone B. Mais c'est toujours dangereux. Magnifique tacle de Benjamin André pour Thiago Santos qui va rentrer dans la surface en zone B. Thiago Santos qui s'excentre, qui va centrer vers le second poteau. La tête en déviation de David vers Cavallero en zone A. Mais Cavallero est surpris par le retour de Altamari qui est maintenant vers le point de corner. Et le dégagement de Sacco vers toujours la zone A, Kazri. Et c'est une tête rageuse d'Alexandro qui remet le ballon vers l'avant. Jordan Ferry qui se bat avec Alexandro. On est toujours à 20 mètres là, du but. C'est récupéré par Savagnier qui met le ballon au sol. Savagnier qui va accélérer de l'extérieur, pied droit, pour trouver maintenant Arnaud Nordin en zone C. Mais il est un petit peu seul, Arnaud Nordin. Il va retrouver son maestro, Savagnier, pour retrouver le nouvel entrant Nordin le long de la ligne de touche. Nordin qui va essayer de faire son 1 contre 1 face à Santos. Il est passé Arnaud Nordin sur son pied droit, le crochet à gauche vers le côté gauche, mais il y a eu une faute il me semble de dans Wabi Kazri, ouais. Faute de Wabi Kazri sur Omer Hadjic qui a été vu par l'arbitre de touche. Ça sera donc un coup franc dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty pour les Lillois. Il met du temps à se relever, hein, Omer Hadjic, pardon. Gudmundsson. Oui, une faute sans ballon, le ballon était pas du tout dans cette surface et Wabi Kazri a dû faire un mauvais geste, un coup d'épaule ou un croche-pied à Gudmundsson. Et l'arbitre de touche l'a signalé. Alors qu'on a Håkon Haraldsson qui s'apprête à rentrer lors du prochain arrêt de jeu. La nouvelle recrue du LOSC, l'Islandais, qui a été très bon en match amicaux, mais c'est un peu plus compliqué pour lui en match officiel. Et là, c'est le long dégagement de Lucas Chevalier qui va atterrir sur la tête de Jonathan David, mais ça va être un duel avec Sacco qui l'attend à la retombée de ce ballon et c'est Sacco qui a contrôlé ce ballon qui va maintenant trouver Altamari dans la zone D maintenant qui a traversé la ligne médiane et là il se plaint hein, des contacts à répétition avec Gudmundsson et il a arrêté sa course et l'arbitre dit qu'il n'y a rien. On le rappelle, plus de jeux hein, cette saison en Ligue 1 et les joueurs qui doivent aussi s'habituer à ça. Long ballon vers Youssouf Yazici mais c'est trop long, ça va arriver sur Kouyaté dans la zone B. On est à la 67e minute, toujours 1-0 pour le LOSC, but de Youssouf Yazici au bout de 2 minutes de jeu. Et Lille maintient son avance pour l'instant, gère le match et le ballon est pour Montpellier. À la mauvaise relance de Lecomte et c'est un magnifique sombrero là de Cavallero qui a lobé Jordan Ferry pour aller vers le rond central et trouver maintenant Lenny Uro, Santos en zone C. Cavallero d'Auge qui est maintenant sur le côté droit, Benjamin André, Cabella, de nouveau André dans le rond central. Qui ne bouge pas et qui va trouver donc Cabella vers la zone A. Cabella qui va repasser derrière. Avec Alexandro dans la zone D, Yoro maintenant dans la zone C. Yoro pressé par Teddy Savagnier. Wabi Kazri qui est venu presser Lucas Chevalier, mais on repasse avec Alexandro dans la zone D. Rémi Cabella toujours dans la zone D. Benjamin André plus au centre. Rémi Cabella
Et on repasse une nouvelle fois avec Lucas Chevalier qui est maintenant au milieu de sa surface de réparation, au plus loin que le point de pénalty. Lénine Oro dans la zone C. Et on repart avec Rémi Cabella qui va traverser le rond central. Il va aller chercher à gauche Goodmanson dans la surface de réparation sur son pied droit. Pied gauche maintenant. Et il va faire le tour, hein. Il a essayé de faire le tour de Sako. Sako qui ne s'est pas laissé avoir, mais il va quand même obtenir un corner, le Lillois. Oui, bon déboulement de Goodmanson qui était revenu en arrière dans un premier temps, mais il s'est retourné rapidement pour accélérer et obtenir ce corner. Changement pour le LOSC, sorti de Cabella et rentré de Haraldsson. Rémi Cabella qui a fait un bon match, hein, qu'on a vu justement sur cette dernière action. On se rappelle de sa frappe manquée, on va dire, à la fin de la première mi-temps. Mais il a apporté de la vitesse au cœur du jeu lillois. Il va laisser sa place à la nouvelle recrue. Il est scandé par les DVE, ça va lui faire du bien à Cabella qui n'a toujours pas ouvert son compteur stat, passe décisive et but. Il aurait pu marquer aujourd'hui, mais sa frappe était trop écrasée comme vous l'avez dit. Et il sort sous les applaudissements du stade. Et là c'est un corner qui va être tiré par Yazici, pied gauche, qui va trouver la tête d'un défenseur montpelliérain, servir dans la surface de réparation avec Gomez. Et c'est finalement le numéro 12. Il y a une main avant qu'il contrôle ce ballon, le montpelliérain. Ça va être Jordan Ferry. Ça va être un coup franc pour Lille, donc en zone A, très excentré le long de la ligne de touche, à une trentaine de mètres du but. Toujours Yazici pour le frapper. Cette fois-ci, c'est Haraldsson qui est à côté de lui. Ils discutent, les deux joueurs discutent pour savoir qui va tirer. Le pied gauche ou le pied droit. Le pied gauche de Youssouf ou le pied droit d'Haraldsson. Ça sera le pied gauche de Yazici. C'est offert le point de pénalty, c'est puissant. C'est Cavallero qui a la retombée. La frappe de Cavallero s'est détournée. Et ça va arriver tranquillement dans les gants de Lecomte. Lecomte qui relance rapide pour Altamari. Altamari avec Savani et là les Lillois sont déjà tous revenus. Il va aller chercher à l'opposé le nouvel entrant Jordan Ferry. Non pardon, Nordin qui récupère ce ballon en zone C. Il va être sur le côté de la surface de réparation. Il va réussir à rentrer dans cette surface de réparation avant de ressortir, faire la passe à Silla qui centre et qui centre pour personne. Ça va être les Lillois qui vont récupérer ce ballon. Lucas Chevalier qui pourra donc se relancer. Alors que nous avons notre Tao qui va vous dire un résultat sur le multiplex. Salut Maëlys, salut Adrien. Oui, sur les autres scores de la journée, il y a eu un 2 partout entre Clermont et Toulouse. Et là, actuellement, 2 partout aussi entre Metz et Reims. À Metz et la victoire pour l'instant qui se dessine 2-0 pour Le Havre contre Lorient à domicile, et on vous donnera un résumé à la fin du match de ces rencontres. Merci Tao pour ce point lors du multiplex. Aujourd'hui c'est Lille qui gagne aussi 1-0 donc face à Montpellier à la 72e minute. Et c'est Montpellier qui a maintenant le ballon avec Silla dans la zone C le long de la surface, le long de la ligne de touche. Kiki Koyate qui retrouve à l'intérieur Jordan Ferry qui trouve Teddy Savanier et Altamari maintenant dans la zone D. Alors l'entrée de la surface de réparation sur son pied gauche, il est face à des défenseurs, il tire, celle-là il a tiré du pied gauche et il y avait hors jeu, mais c'était un bel arrêt, hein. Il s'est allongé de tout son long aussi Lucas Chevalier, parce que on voyait la frappe lente, mais elle avait une trajectoire qui aurait pu surprendre le gardien lillois. Dans tous les cas, il y avait hors jeu, ça n'aurait pas été comptabilisé. Et on repart avec les Lillois dans la zone D. Oui, c'est Altamari qui a fait cette frappe croisée avec son pied droit sur le côté droit de Lucas Chevalier, qui s'est donc bien détendu pour détourner ce ballon. Et il y avait quand même Wabi Kazri qui rôdait vers ce second poteau. Ça a tout de même été dégagé par un Lillois. De toute façon, il y avait hors-jeu. Alexandre qui va effectuer ce coup franc. On attend... Je ne savais même pas ce qu'on attendait. Il passe derrière avec Lucas Chevalier. Wabi Kazri qui a décidé de presser fort sur Alexandro. Alexandro qui s'écroule. La faute n'est pas sifflée. Il est toujours par terre. Et ça sera parce qu'il a gardé le ballon entre ses mains.
Ça va être un coup franc pour Montpellier et c'est Altamari qui s'est un petit peu énervé sur Alexandro qui n'a pas bougé. Alexandro se prend donc un carton jaune, deuxième carton jaune et deuxième carton jaune pour les Lillois. Alors il y a eu le carton jaune pour Michel Terrazza Carrière, on va parler des cartons jaunes des joueurs en jeu. Et ça va être TJ Savagnier qui va effectuer ce coup franc. TJ Savagnier avec 5 Montpellier dans la surface de réparation. Il est sur, dans la zone D, à quelques mètres de la ligne de touche, à 50 mètres du but. Et il va tirer. Il va passer au centre pour Altamari. Altamari du pied gauche, centre, tire fort. Et c'est repoussé par Lucas Chevalier. C'était sur sa gauche. Il s'est allongé. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. La frappe très forte de Altamari. Oui, attention Lillois, Altamari est de plus en plus en vue et c'est donc de nouveau dangereux pour Montpellier qui a de belles occasions là. Corner de Savagnier en zone D, c'est tiré vers le second poteau, tête de Kouyaté mais vers l'arrière, vers la zone C. C'est Gudmundsson à la retombée qui va dégager très loin mais il n'y a personne, aucun Lillois pour prendre ce ballon. Donc ça sera une touche pour Altamari en zone C qui joue vite sur Wahbi Khazri. Et oui, il n'y a pas hors-jeu sur une touche. Wahbi Khazri en renard des surfaces, resté dans cette surface. Et là maintenant il est au duel face à Lenny Oro le long de la ligne de touche. On va retrouver Silla en arrière en zone C, à la mauvaise passe de Silla. C'est récupéré par les Lillois. André Santos dans la zone C toujours. André qui porte le ballon vers l'avant avec Haraldsson pour l'un de ses premiers ballons pour trouver David. C'est pour Haraldsson de nouveau dans le rond central. Cavalero qui va essayer de trouver à gauche maintenant Gudmundsson. Ah, il va, c'est bon, c'est sauvé par Gudmundsson. Cavalero de nouveau pour Gomez. Et on est de nouveau en zone D. Et Alexandro qui recherche Cavalero une nouvelle fois. Alexandro maintenant en zone D. Il est pressé. Hein. Les Montpellierains qui sont de plus en plus pressants sur le défenseur lillois. Et ça paye parce qu'ils vont récupérer ce ballon au milieu de terrain avec peut-être une faute de Haraldsson, oui, sur le numéro 27 Montpellierain. On a vu que c'était en train de s'échauffer. Et c'est encore une fois en train de s'échauffer avec Håkon Haraldsson qui l'arbitre lui demande de partir hein, parce qu'il était en train de s'énerver. Une nouvelle fois, les esprits qui s'échauffent hein, sur ce terrain. Et en plus, il vient tout juste de rentrer au Connor Alson. Oui, en plus, c'est à chaque fois pour des erreurs bêtes, on va dire. C'est à chaque fois, là, c'est Haraldsson et Alexandro qui sont venus contester le ballon qui était à Montpellier pour qu'ils tirent leur coup franc. Et donc, ça, c'est des jaunes peut-être bêtes. Là, Haraldsson n'est pas et pris. Hein. Et Wahbi Khazri qui sort et qui va laisser sa place à Kelvin Yeboa du côté montpelliérain. Il a fait un match plutôt correct, hein, le Montpellierain Wahbi Khazri. Et là, le coup franc qui a été effectué par TJ Savagnier, c'est directement dans la surface de réparation. Et c'est repoussé par les Lillois. Et c'est Yazid Chekali qui essayait de partir, mais c'est bien couvert par le numéro 12 Montpellierain. Et on repart avec Benjamin Lecomte. Long ballon vers Jordan Ferry dans la zone C. Il s'appuie sur Silla pour de nouveau avoir Ferry. Le contre est favorable et c'est Nordin maintenant qui va récupérer le ballon. Altamari, pardon, qui est rentré dans cette surface. Il est bousculé par derrière par Santos, mais il n'y a pas faute. Et là, cette fois-ci, il y a faute. Mais pour Lille, c'est le nouvel entrant Yehua qui a fait faute dans la zone C, proche de la ligne des 6 mètres. Coup franc donc pour Lille, pour Lucas Chevalier. Altamari qui commence vraiment à s'énerver hein, parce que oui. C'est pas la première fois qu'il finit par terre après un contact. Oui, il est de plus en plus dangereux hein. dans cette fin de match. Il va rester moins de 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire et il veut que son équipe revienne à égalité. Évidemment, il n'y a qu'un but d'écart. Tout reste à faire dans ce match alors que Samuel Umtiti est à l'échauffement sur le côté du terrain. C'est Lucas Chevalier qui va dégager loin ce ballon avec son pied droit et ça va arriver directement en touche. Ah non, le ballon n'était pas sorti. Ça sera donc un ballon pour les Lillois dans la zone B. À une dizaine de mètres de la ligne médiane. Oui, donc on a 5 joueurs lillois qui s'échauffent. On peut maintenant avoir 5 joueurs qui s'échauffent sur le côté du terrain. Donc Umtiti, Diakité, Mentaleb, la nouvelle recrue qui a mis du temps à être officialisée. On a aussi Zegrova et Virginius. Et on est reparti dans le jeu avec Yoro dans la zone C.
Et ça repart avec Jonathan David qui trouve Benjamin André dans la zone B maintenant. Ils vont vite, hein, les Lillois, quand ils partent. Comme ça, Yazice en zone B qui va trouver Jonathan David à l'intérieur de la surface de réparation. Oh, il était loin, le défenseur. Et là, c'est une frappe de Gomers à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est finalement repoussé par les Montpellierains, hein, qui reprennent le contrôle du ballon avec TJ Savanier. Et c'est Yazice qui récupère ce ballon au niveau entre les zones A et B. Ça sera finalement une faute de sifflet à l'encontre du Lillois. Les Montpellierains qui vont avoir un coup franc qui va leur faire du bien après cette attaque des Lillois. Oui, monsieur l'arbitre a mis quelques secondes à se décider là sur cette récupération de Yazice qui a donc trouvé que le Turc avait fait faute. Coup franc pour Montpellier qui est joué vers la zone A. Long ballon de Omer Hadjic vers Yeboah dans la zone D. Il va obtenir la touche, le nouvel attaquant donc de Montpellier pour ce match. Sako qui a le ballon dans les mains, il le met au-dessus de sa tête. Il va trouver Altamari qui rate son contrôle. Et c'est Gudmundsson qui récupère et qui va rater aussi sa passe. C'est une nouvelle touche dans la zone D pour Sako, le numéro 77, qui va essayer de trouver Ferry qui dévie de la tête dans la zone D toujours. Sa bataille, et c'est Sako de nouveau qui met le ballon au sol. Ferry pour Savanier et c'est Gomez qui met encore le ballon en touche. Et on est reparti avec Savanier dans la zone D, qui va laisser la touche à Sako. Sako qui fait directement la passe à Savanier qui était parti en profondeur. Et ça sera une nouvelle touche encore plus proche du poteau de corner pour les Montpellierains, à seulement 5 mètres de ce poteau de corner. Sako qui recule, qui va faire quelques pas et qui va lancer fort pour que le ballon atterrisse dans la surface de réparation. C'est défendu par les Lillois de la tête avec Benjamin André et Alexandro. Le ballon qui est toujours dans la surface de réparation et c'est dégagé finalement par Gomez. Et ça va réatterrir dans les pieds Lillois, dans les pieds Montpellierains avec Silla qui centre. Et c'est dégagé une nouvelle fois par les Lillois. La pression est de plus en plus forte sur la défense lilloise. Et c'est encore une nouvelle attaque, cette fois-ci c'est côté gauche avec Silla qui va trouver Savanier qui remet sur Ferry. On va aller maintenant sur le côté droit avec Sako qui va peut-être rentrer dans cette surface, il va décaler Nordin à sa droite. Nordin qui va se mettre sur son pied gauche, on va ressortir sur Ferry qui centre en une touche. Et c'est Altamari qui est trouvé, sa tête est trop décroisée, ça va filer à la gauche de Chevalier qui râle sur sa défense. Et il a de quoi râler sur sa défense, et là il était tout seul, Altamari. Oui, c'est le seul qui a sauté dans cette surface de réparation. Il était sans défenseur, et malheureusement pour Montpellier, sa tête est beaucoup trop décroisée. Et on va repartir avec les Lillois et Lucas Chevalier qui demande à ses défenseurs de s'écarter. Il va faire un long dégagement, une nouvelle fois, du côté des Lillois. Oui, il va éviter de jouer court à 10 minutes de la fin, éviter de faire une erreur défensive qui va peut-être encore coûter des points. Donc on allonge très très loin vers la zone A sur Jonathan David au duel avec Omer Hadjic. Et il gagne le duel, une touche est obtenue en zone A pour les Lillois. On a Umtiti et Bentaleb qui se dirigent vers le banc. C'est pour sans doute rentrer. Oui, Nabil Bentaleb et Umtiti enlèvent leur chasuble. Les premières minutes peut-être de Nabil Bentaleb avec Lille. Celui qui est né pas loin d'ici et qui a grandi à Oisem. Alors la touche de Gudmundsson qui a été effectuée et qui allait directement en touche. Donc ça sera une touche pour les Montpelliérains dans la zone A proche du poteau de corner avec Sako qui a récupéré le ballon et qui demande à ses coéquipiers une solution. C'est Yeboah qui va essayer de lui apporter cette solution au duel avec Benjamin André. C'est Benjamin André qui a remporté ce duel, mais les Montpellierains reprennent le ballon dans la zone A. Et on va essayer d'aller chercher Yeboah dans la zone D. Et c'est Alexandro qui va de nouveau dégager ce ballon vers Cavalero. Et c'est Savanier qui va sortir ce ballon. Qui a failli nous envoyer le ballon dessus là. Le ballon est parti dans la tribune. Pendant ce temps-là, les deux joueurs lillois commencent. Donc les deux nouveaux qui vont bientôt rentrer, Umtiti et Bentaleb qui ont des consignes de la part du staff. Les premières minutes de Umtiti au stade Pierre Mauroy et les mêmes premières minutes pour Bentaleb. Montpellier qui récupère le ballon en zone A. Et on va aller chercher vers l'avant avec Savanier. Savanier qui est vraiment celui qui fait le jeu hein, de Montpellier. On est maintenant avec Kiki Kouyaté dans la zone B, proche de la ligne médiane. TJ Savanier dans la zone A qui va essayer de lancer pour Nordin qui est trouvé dans la zone D proche de la surface de réparation, qui est un petit peu poussé dans le dos mais qui va perdre le ballon. Ça sera une touche lilloise à une dizaine de mètres du poteau de corner Montpellier. Gudmundsson qui remonte ses chaussettes, il a maintenant le ballon en main, il discute avec l'arbitre pour l'endroit où doit s'effectuer cette touche.
Il prend son élan, il lève la balle au-dessus de sa tête. C'est envoyé vers Jonathan David qui dévide la tête dans la zone D, mais il n'y a personne. La pression de Youssouf Sazice qui récupère le ballon. David qui va décaler. Thiago Santos, il a beaucoup d'espace. Il y a un boulevard devant Thiago Santos. Il va prendre ce boulevard dans la zone B. Thiago Santos qui accélère, qui feinte l'accélération. Il va aller dans l'axe pour trouver Haraldsson. Haraldsson dos au jeu, qui recule et qui est obligé de passer à Leny Yoro sous les sifflets de Pierre Mauroy. Haraldsson qui a de nouveau le ballon. Il y a le crochet vers, pour se mettre de plein axe. On trouve Yazici en appui. Gomez, ça joue en une touche et ça met de la vitesse. C'est Cavallero en zone A qui est trouvé. Cavallero pour Gomez. Ah, Gomez qui n'attaque pas son ballon, mais qui va. Non, il n'a pas de corner. Ça sera un 6 mètres pour le compte. Et sur cette action, on a vu Nordin, le joueur montpelliérain, se tenir la tête. Il s'est pris le ballon en pleine tête quand il a contré. Alors là, c'est reparti pour les montpelliérains avec Savani dans la zone A qui passe dans la zone B. Il est plein axe. Il va aller chercher Yeboah. Il le trouve Yeboah dans la surface de réparation qui tire du pied droit, mais beaucoup trop à ras de terre. Et Alexandro qui râle encore hein, sur sa défense. Yeboah qui a été trouvé et un bel arrêt de Lucas Chevalier. Ça allait sur sa gauche, il s'est allongé, il a récupéré ce ballon. Lucas Chevalier qui demande encore à ses défenseurs hein, de partir. On rappelle, pas de danger. On est maintenant à la 84e minute. Toujours 1-0 pour Lille après un but de Yazici à la deuxième minute. Le stade Pierre Mauroy qui a fait le plein aujourd'hui, plus de 35 000 spectateurs ici à Lille et une dizaine de supporters montpelliérains qui ont fait le déplacement, le très long déplacement dans le nord. Yazici au niveau du rond central qui repasse derrière avec Alexandro Gudmundsson dans la zone A le long de la ligne de touche. Les montpelliérains qui récupèrent le ballon avec Sacco et on va trouver Nordin. Sacco de nouveau, toujours dans la zone A, le long de la ligne de touche. On essaie de ressortir de cette zone, mais c'est finalement récupéré par les Lillois. Il y aura une faute qui sera sifflée. On avait laissé un petit peu l'avantage au Montpellierin qui avait réussi à garder le ballon. Et il y a eu un petit accrochage. Et donc coup franc pour Montpellier avec les changements qui vont être effectués. C'est Jonathan David qui va sortir à la place de Samuel Umtiti. Changement très défensif de la part de Fonseca. Il y aura aussi donc Nabil Bentaleb, le nouveau numéro 6 du LOSC. Les premières minutes de ces deux nouvelles recrues au stade Pierre-Mauroy. Jonathan David qui n'a pas marqué aujourd'hui mais qui a été influent dans le jeu, dans l'attaque lilloise. Et c'est Angel Gomez qui va sortir aussi à la place de Nabil Bentaleb. Et c'est l'ovation pour Umtiti et Bentaleb. Angel Gomez qui avait eu un carton jaune en première période et qui était un petit peu effacé là dans ces dernières minutes. Changement logique de Paolo Fonseca pour Nabil Bentaleb. Il y a aussi un changement hein, du côté montpelliérain avec l'entrée en jeu de Sacha Delay. Et il me semble... C'est Altamari. Voilà, c'était Altamari qui est sorti. Et on repart avec Montpellier et la défense de Kiki Kouyaté en zone B. On repasse avec Omeragic qui va chercher Sacco sur le côté, qui trouve Nordin dans la zone D. Et malheureusement, il n'aura pas réussi à contrôler ce ballon avant qu'il aille en touche. Touche pour les Montpellier. Hein. C'était une défense de Alexandro. Sacco qui va effectuer cette touche en zone D à quelques mètres du poteau de corner. Il prend beaucoup de recul. Est-ce qu'il va faire une touche longue? Non, c'est TJ Savani qui va venir chercher ce ballon, qui va remettre à Sacco. TJ Savanier, petit pont sur le numéro 17 lillois. TJ Savanier qui essaye de s'en sortir, mais il était tout seul face à deux défenseurs lillois. Et c'est dégagé par la défense lilloise en touche, toujours dans la zone D. 87e minute et toujours 1-0 pour le LOSC. Mais Montpellier se montre de plus en plus pressant dans cette fin de match. Le LOSC n'y arrive plus là, depuis une dizaine de minutes. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent pour le LOSC. Et c'est Montpellier qui va essayer donc d'en profiter, qui a la possession hein, et les actions et les occasions dans cette fin de match. Et là, c'est une bonne récupération d'Haraldsson à Nabil Metalem qui a du mal à contrôler le ballon. On est maintenant dans la zone D. Gudmundsson qui couvre le ballon de TJ Savanier. Ah, il n'arrive pas à éviter le corner. Et oui, ça sera un corner dans la zone D pour Savanier. Nouveau corner, nouveau ballon à mettre dans la surface pour TJ Savanier pour Montpellier à moins de 5 minutes de la fin. Et absolument tous les joueurs, sauf deux Montpelliérains, sont dans la surface de réparation. C'est grosse défense du côté de Lille et on va essayer de tout donner dans les minutes pour Montpellier. Savanier qui va effectuer ce corner.
pied droit, il centre et ça arrive au point de pénalty. C'est repris par un Montpellier qui remet. Oh, et ça, oh, but ! But de Montpellier, but ! Est-ce que c'est un contre son camp ? Ça a été détourné par les Lillois. C'était une frappe de Nordin détournée par les Lillois qui a trompé Lucas Chevalier. Pardon. C'est arrivé, c'est poteau rentrant, exactement le même poteau que sur le but de Yazice. Lucas Chevalier qui s'est fait avoir avec ce poteau rentrant, poteau sur sa droite. Le ballon qui était arrivé sur Nordin après une tête un peu approximative de Silla. Le ballon qui arrive dans les pieds de Nordin, frappe du pied droit et poteau rentrant, frappe détournée par les Lillois. Les Lillois qui sont en train de parler avec l'arbitre. Alors peut-être pense-t-il qu'il y a un hors-jeu. Dans tous les cas, la VAR est là pour vérifier. 88e minute et Montpellier vient peut-être d'égaliser. On va attendre que ça soit confirmé avant de valider ce but de Montpellier. Oui, c'est l'arbitre à la main sur l'oreillette. Ça veut dire qu'il est en discussion avec la VAR. Oui, peut-être un hors-jeu, une faute ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on le voyait venir du côté lillois. Là, ils étaient sous pression depuis une dizaine de minutes. Ils se faisaient manger dans les duels. Et là, oui. C'est Silla qui s'est élevé au-dessus de tout le monde. Il fait, le signe d'un possible hors-jeu, l'arbitre. Les joueurs qui commencent à venir autour de lui. Donc on va attendre évidemment d'avoir la réponse de la VAR. Il est toujours la main droite à l'oreillette et il va aller vérifier. Il va aller vérifier la vidéo. Alors que se passe-t-il ? Ça ne serait pas un hors-jeu, il n'y aurait pas de vérification. Bah oui, c'est pour ça. Une faute, peut-être une faute, une main. Et là, tous les joueurs vont aussi regarder la vidéo et l'arbitre de touche qui essaye de tous les garder sur le terrain. On essaie de trouver le meilleur angle pour voir sur la petite télé qui se situe juste en bas de notre tribune. Il y a au moins 15 joueurs là qui sont juste derrière l'arbitre, si on peut dire. Ils essayent de regarder les images. L'arbitre a pris sa décision en tout cas. Il se dirige vers la surface. Il fait l'écran de la VAR et c'est un hors-jeu. Hors-jeu de Nordin, il me semble. Le but est donc annulé. Toujours 1-0 pour Lille. Ah, c'est Yeboah qui était hors-jeu et qui faisait action de jeu. C'est peut-être pour ça qu'il est allé vérifier justement, parce qu'il n'a pas touché le ballon, mais il a fait l'action de jeu. Et du coup, c'est pour ça que le but est annulé, d'où la vérification pour hors-jeu, parce que normalement, quand il y a hors-jeu sur le buteur, on ne vérifie pas. Et on repart avec Lucas Chevalier, donc toujours 1-0. Pour Lille, on voit la tête décomposée de Michel Derzakarian sur son banc. Lucas Chevalier qui va demander à tous les joueurs d'aller le plus loin possible. 90e minute. Et on va attendre le temps additionnel qui va être affiché maintenant. Lucas Chevalier qui dégage du pied droit. 6 minutes de temps additionnel. Et ça va peut-être réveiller les Lillois là, qui se sont fait très très peur dans cette fin de match. Et donc Fonseca va faire un changement juste après, ça sera Zegrova, mais là on a une attaque Montpellier-Rennes dans la zone C, c'est Yeboah qui se débat bien, c'était Silla pardon, qui va obtenir une touche dans cette zone C, c'est vite joué avec Delay qui rentre dans la surface. Oh, il y a un tacle là de Benjamin André qui a joué le ballon et qui a carrément 6 mètres même, c'est Ferry qui a mis le ballon en 6 mètres et ça a même réveillé le stade là, ce but annulé qui va pousser son équipe dans les 6 dernières minutes de ce match. On est déjà rentré dans ce temps additionnel, 6 minutes à jouer et dégagement donc 6 mètres de Chevalier qui va prendre tout son temps évidemment. Alors que là c'est Cavalero qui se met à genoux. Samuel Umtiti est venu le voir. Ah, il se met carrément au sol là, Cavalero. Aïe aïe aïe, coup dur là pour Lille. Après, est-ce qu'il essayerait pas de gagner un petit peu de temps? C'est sûr, peut-être, c'est vrai, avec toute son expérience là. Cavalero qui s'est relevé, qui boite quand même un petit peu. Il va sans doute sortir à la place de Zegrova, hein, il me semble. Ouais. On va pas prendre de risque hein, côté blessure pour Fonseca qui a déjà perdu Ounas la semaine dernière. Diallo qui est toujours à l'infirmerie. Et c'est bien Cavalero qui va sortir. Il a juste sans doute voulu gratter un petit peu de temps. Et ça va être plus compliqué hein, cette saison de gratter du temps parce que comme ça a été le cas durant la Coupe du Monde masculine, durant la Coupe du Monde féminine, le temps est beaucoup plus décompté que les saisons précédentes. Donc c'est l'expérience qui parle, mais la nouveauté va faire que ça ne va pas changer grand chose. Lucas Chevalier qui dégage le ballon directement dans les mains de Michel Derzakarian qui le donne à Sako. Sako au niveau de la ligne médiane qui cherche une solution et qui va trouver Yeboah. Non, il ne va pas trouver Yeboah parce que c'est Alexandro qui va récupérer ce ballon avec un dégagement à la Alexandro dans les tribunes. La dans spéciale. La zone D. Et c'est déjà reparti avec Savani. C'est vite joué, on est avec maintenant Omar Rajic. Savanier pour trouver maintenant dans le rond central. C'est le bloc Montpellier hein, qui est beaucoup plus haut qu'en première période.
On est avec Kouyaté qui va trouver Silla dans la zone. C'est Ferry Doge qui est poussé dans le dos par Bentaleb. Et ça va être une faute de Ferry, ou en tout cas un ballon gardé dans les pieds pendant qu'il était au sol, le joueur Montpellier. Hein. Ça sera un ballon rendu au Lillois. Il va rester moins de 5 minutes à jouer donc, dans ce temps additionnel qui est même passé à 7 minutes là avec donc le changement de Lille. Ballon dans la zone C pour les Lillois et ça sera Chevalier qui va l'effectuer, ce coup franc. On a déjà passé la troisième minute hein, du temps additionnel. Lucas Chevalier qui va effectuer ce dégagement. Et ça va atterrir dans les... Non, ça va être une faute. Ouais. Faute de Yazice sur Silla. Voilà, et ça c'est... ouais. Entre Kouyaté et Yazice. Une petite tête à tête. Il n'y a pas eu de frappe. Mais... oui, ça monte encore en tension dans cette fin de match. Il n'y a qu'un but d'écart. Montpellier à la place là pour revenir dans ce match. Lille est quand même en difficulté dans ces dernières minutes. Et donc c'est Montpellier qui a toujours le ballon, un long ballon vers l'avant. Tête de Benjamin André pour essayer de trouver Zegrova. Mais c'est plutôt Delay qui est trouvé. Tête de Yoro dans la zone C. Thiago Santos qui va sauver la touche. Non, qui va mettre le ballon en touche. Nouvelle touche donc pour Montpellier dans la zone C. Silla a joué vers Yeboah. Doge, bon contrôle de Yeboah pour retrouver Silla. Silla qui va essayer de passer mais il est pris par deux Lillois. Oh, la roulette de Youssef Yazici qui va faire la différence. Ah, il va revenir en arrière. Ouais, oui, c'est Bentaleb maintenant qui est trouvé. On est dans le milieu de terrain. Haraldsson pour Bentaleb. Bentaleb, oh, le grand pont de Nabil Bentaleb. Ah, c'est bien couvert par Jordan Ferry qui va envoyer le ballon sur son gardien. Et c'est reparti avec Benjamin Lecomte. Les Montpellierains, en tout cas les Lillois qui sont tous alignés. Ils sont 7 maintenant wow. En défense. On va essayer un petit peu hein, d'aller chercher aussi le ballon au milieu du terrain. Et on va trouver du côté de Montpellier Silla dans la zone C qui centre. Et c'est Yoro qui va s'imposer dans la surface de réparation. Corner pour Montpellier dans la zone C. Nouveau corner, nouvelle offensive de Montpellier. Nouvelle occasion pour Savanier de mettre un ballon dans la surface. Dangereux. Pour l'instant, c'est les Montpellierains là, qui prennent tous les ballons de la tête dans cette fin de match. On a évidemment Silla, mais aussi Yeboah pour mettre leur tête dans ce but. Et là, c'est Savanier qui tire vers le point de pénalty. C'est Yoro qui va dégager Yazici. Yazici qui va dégager sur un Montpellierain. Ça file en 6 mètres. C'est très bien joué de la part du Turc. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Il continue de parler là. Yazici et Chotard sont toujours en train de parler. Mais là, cette fois-ci, pas de tête à tête. Chotard est parti se replacer. Il reste un tout petit peu plus de 2 minutes dans ce match. En tout cas dans le temps additionnel, Lucas Chevalier qui va dégager une nouvelle fois, ça fait 15 minutes qu'il fait la même chose à chaque fois qu'il a le ballon. On dégage le plus loin possible avec son pied droit et ça va être sur Haraldsson, mais directement Sacco qui récupère le ballon. Nordin maintenant, le buteur qui n'a finalement pas été buteur, et on repart avec Silla dans la zone C. Il va trouver Ferry dans la surface de réparation. Et c'est dégagé par Yoro en corner. Nouveau corner pour les Montpellierains dans la zone C. Et oui, encore un corner pour Montpellier dans cette fin de match. C'est toujours Savanier, évidemment, qui va le tirer avec son pied droit en zone C. Ça sera rentrant, encore une fois. Ça sera sans doute très bien tiré, comme depuis le début de ce match. Savanier qui va prendre son élan. Savanier qui s'élance, s'est tiré vers le point de pénalty. Benjamin André pour sa tête. Et là, il y a un contre. Il y a un 2 contre 2 entre Zegrova qui accélère dans le milieu de terrain, plein axe. Il y a Haraldsson à sa droite. Il va sans doute trouver Yazici à sa gauche. Avec maintenant Alexandro qui est aux avant-postes. Alexandro qui va aller vers le point de corner en zone A. Ouh, le mauvais tacle là du numéro 27, Omar Edjic, qui va prendre un carton jaune. Très, très bon déboulé d'Alexandro qui a obtenu un coup franc et surtout un gain de temps. Alors sur la contre-attaque lilloise, c'était quand même, on a eu un tacle de Yazici qui a taclé le ballon alors que c'était son coéquipier qui avait la balle. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite et être beaucoup moins excentré. Mais les Lillois récupèrent quand même un beau coup franc dans la zone A à quelques centimètres de la ligne de touche. Ils sont 4 là autour du ballon. Ils vont garder le ballon. L'arbitre demande au Montpellier de s'éloigner du ballon à 6-7 mètres du ballon pour jouer ce ballon. Voilà, c'est fait Zegrova et Yazici qui vont rester dans le point de corner. C'est Ralsson là qui va obtenir une touche. Ça gagne du temps pour Lille. Le capitaine André demande à prendre son temps.
Et la 7e minute du temps additionnel qui vient d'être dépassée. C'est pour ça les sifflets que vous entendez dans le stade. Mais ils ont cherché un petit peu à gagner du temps. On va peut-être y avoir 30 secondes en plus. Peut-être une dernière occasion, même pour les Lillois, de marquer, même si on a bien compris que ce n'était pas le but aujourd'hui. On attend toujours que la touche soit effectuée. Et voilà. Touche trop longue. Non, touche trop longue, ouais. Touche trop longue de Goodmundson. C'est sifflé par Monsieur Millot. Et c'est Sacco qui va remettre le ballon en jeu pour le compte, peut-être pour une dernière occasion pour Montpellier. On va aller vers le côté gauche avec Chotard en zone B pour trouver Silla le long de la ligne. Silla pour trouver Delay, dos au jeu pour trouver une nouvelle fois Silla qui va envoyer un long ballon vers la zone D. On change de côté pour Nordin, le beau contrôle. On se rapproche de la surface, proche du point de corner. Nordin qui va se mettre sur son pied droit, le standard de Nordin dans les gants de Lucas Chevalier qui va se coucher au sol. Et c'est terminé. Oui, c'est terminé. Monsieur Millot a sifflé, c'est la fin du match. Victoire du LOSC 1-0 contre Montpellier. But de Youssouf Yazici au bout de 2 minutes de jeu sur coup franc direct. Les 3 points sont pour le LOSC. C'était compliqué pour Montpellier sur cette fin de match avec le but refusé pour hors-jeu notamment de Montpellier. Mais c'est fait, 3 points pour le LOSC qui sont maintenant à 7 points depuis le début de la saison. Deuxième victoire et toujours invaincu dans ce stade Pierre Mauroy. On pourrait aussi faire un petit tour des résultats d'aujourd'hui avec Tao. Oui, alors vous voulez commencer par le match spectaculaire ou alors la victoire sans appel ? La victoire sans appel. Eh bien, on va commencer par Le Havre contre Lorient. Ça a commencé à la 50e minute avec l'ouverture du score havraise. Perte de balle d'un Lorienté au milieu de terrain très dangereuse. Il y a eu un contre. Le Havre s'est retrouvé en position de 2 contre 1 dans les zones A et B. Talbi était le seul défenseur. Le Russe Kouziaïev qui a récupéré fixe devant la surface. Décale Nego sur la droite. Nego seul fixe le gardien, remet à Kouziaïev qui marque le but dans le but vide. Ensuite il y a eu un deuxième but à la 68e. Le Havre qui crucifie Lorient. Antoine Joujou s'amuse, si vous me permettez l'expression, entre 4 Lorientais sur la gauche, zone A devant la surface. Il passe à sa droite dans l'axe pour Alioui. Le numéro 10 frappe du droit à l'entrée de la surface vers la gauche du but. La frappe à terre rentre 2-0 et à la 90e plus 6, 3-0. Mbemba, la cerise sur le gâteau et la fête au stade Océane. Joujou dribble sur la gauche, lance Mbemba sur la droite. Zone B, frappe de Nolan Mbemba, contrée par Talbi dans l'axe. Ça prend à contre-pied Mvogo sur sa gauche. Et puis pour l'autre match, un peu plus spectaculaire, très disputé. Metz contre Reims, c'est Metz qui ouvre le score à la 6e minute à domicile. Metz en grenat, Reims en bleu après un contre. Sabali, numéro 14, est décalé sur la gauche à l'entrée de la surface, zone C. Il allume du droit, une frappe croisée surpuissante qui va dans la lucarne droite. 1-0 pour Metz. Ensuite, l'égalisation rémoise intervient à la 18e minute. Magnifique aussi, signé Omar Diakité. L'attaquant récupère haut devant la surface Messine. Il est au duel avec un défenseur, frappe du droit. 1 mètre devant la surface, une mine qui va dans la lucarne droite. Doukidja, le gardien de Metz en noir, qui a bondi mais qui est battu. Ensuite c'est Reims qui prend l'avantage à l'extérieur, 1-2 à gauche dans la surface, zone C, entre deux Rémois. Le ballon est contrôlé à l'entrée de la surface, mal contrôlé, ça traîne. Le Maltais Teddy Thema traîne, reprend du gauche, la frappe rebondit au sol et Doukidja à sa gauche. Et Metz, qui était bien dominé dans la partie, arrive à égaliser à la 62e. Encore un but magnifique dans ce match. Abli Jallo a le ballon zone B. Il fait une passe piquée au second poteau. Remise de la tête du Dol vers Camara dans la surface. Le numéro 18 manque sa reprise du gauche. Déséquilibré par un Rémois. L'arbitre ne siffle pas. Le ballon revient vers Jallo dans l'axe. 2 mètres dans la surface. Jallo contrôle, enroule du gauche. Ça va, lucarne gauche sous la barre. Diouf ne bouge pas. 2-2, on en reste là. Et donc au classement, c'est Reims qui reste 3e provisoirement derrière Monaco et Marseille. Et pour ce match, côté classement, le LOSC est remonté à la 4e place avec ses 7 points à égalité donc avec Brest
et Reims. Et Montpellier est passé 13e, toujours avec ses 4 points et sa différence de but de 0. Oui, on attend aussi les matchs de ce soir avec Nice-Strasbourg qui va commencer maintenant dans 2 minutes. Et Lyon-Marseille plus tard dans... Lyon-Paris. 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 Marseille a déjà joué contre Nantes plutôt dans le week-end vendredi soir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui sur cette victoire de 1-0 de Lille face à Montpellier. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les chaînes YouTube et Twitch de Asa France, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram sur ce dispositif en audio description. Merci Maëlys. Merci Adrien. Et merci, et merci à vous. Tao aussi, hein, merci Tao aussi pour le duplex. Merci Tao et merci à vous de nous avoir suivis pour ce live en audio description. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée.